de nous rejoindre en ce mardi soir sur 01 TV. Il est 17h45 tout pile. Et oui, comme promis, nous allons passer une partie de cette soirée ensemble. Et après les annonces d'Apple qui nous ont complètement rendu fous il y a quelques jours de cela, eh bien, place maintenant à un autre mastodonte du web qui s'apprête à annoncer ses nouveautés. Et non des moindres, Jérôme, puisqu'il s'agit de Google ce soir. Salut. Ben quand on est passionné d'high-tech, c'est normal. C'est vrai qu'une actu chasse l'autre. Et donc, ce soir, vous êtes avec nous pour une nouvelle grande soirée sous le signe de l'high-tech, puisque c'est à San Francisco, vous le savez, que Google doit dévoiler un certain nombre de nouveautés. Alors, on vous dira en détail tout à l'heure ce qu'on attend. On a déjà pas mal d'infos. Il y a beaucoup de choses qui ont fuité cette fois-ci. Et puis, nous verrons cela avec nos envoyés spéciaux, François. Oui, en effet. Jérôme Marin et avec nous depuis San Francisco pour nous faire vivre ces nouveautés. Il est véritablement à l'endroit même où se déroule cette conférence de presse. Sachez que nous avons aussi un autre journaliste et non des moindres, puisqu'il s'agit de Bruno Cormier qui lui est à Londres, car Google en fait retransmet ce live à Londres, avec sans doute aussi la possibilité pour Bruno de toucher, comme on dit, les nouveaux produits à la fin de cette retransmission, dans une heure ou deux. C'est souvent comme ça que ça se passe, hein. Grosse annonce aux États-Unis et retransmission pour les médias européens à Londres, à Paris ou ailleurs. Et puis, tout de suite après, tu l'as dit, la possibilité de découvrir les produits, de les prendre en main, de faire des vidéos, etc. Alors, si tout va bien, eh bien, il y aura également un flux vidéo en provenance de Google. Oui, voilà. En toute logique. On va sans doute l'avoir d'ici quelques minutes, hein, puisque l'événement commence dans 13 minutes exactement, à 18h tout pile. Hein. On va sans doute retrouver ce flux vidéo. Mais auparavant, bien évidemment, une chose importante, c'est que comme nous sommes en direct, vous allez pouvoir interagir avec nous, poser toutes vos questions, nous dire un petit peu de ce que vous pensez de toutes ces nouveautés qui vont être annoncées ce soir par Google. N'hésitez pas, le hashtag 01Live sur Twitter, comme d'habitude. Maintenant, si vous êtes infidèle, vous savez comment ça fonctionne. Hashtag 01Live, vous nous laissez votre petite question, votre petite réflexion, et on la lit en temps réel ici même. Voilà, je suis en train de me connecter pour récupérer les tout premiers messages. Parfait. Avant de lire quelques-uns d'entre eux, je vous propose maintenant d'aller direction San Francisco, retrouver Jérôme Marin. Jérôme Marin que nous allons essayer de joindre par Skype. Alors Jérôme, on l'a eu il y a quelques minutes, lorsqu'il est arrivé sur le lieu de cet event, et il est super bien placé Jérôme, donc il va être vraiment aux premières loges pour nous faire vivre cet événement. On va essayer de retrouver Jérôme tout de suite, il est avec nous. Salut Jérôme. Bonsoir. Jérôme Marin, donc notre envoyé spécial qui est donc à San Francisco chez Google. Salut Jérôme, ça y est, on te voit, c'est formidable. Bon, alors montre-nous un petit peu où tu es là. Et vraiment chez Google, encore, je vous montre la scène, vous voyez, donc une scène avec deux écrans géants, très sobre, du blanc chez Google. Et ce qui est intéressant, c'est que cette année, Google a vu un peu des choses en grand comparé aux événements habituels. Et donc ça veut dire peut-être qu'on va voir pas mal de choses aujourd'hui. Ouais, tu veux dire par là qu'on risque d'avoir, vu le monde qu'il y a, vu la taille de l'événement, beaucoup de nouveautés. Cela dit, on a déjà beaucoup de fuites qui ont circulé sur le web ces dernières heures. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais on espère peut-être pourquoi pas une petite surprise. On va voir. En tout cas, il y aura Sundar Pichai certainement qui va venir parler. Ce sera la première intervention depuis qu'il a été nommé PDG de Google. Donc ça sera aussi intéressant à suivre. Et puis une surprise, pourquoi pas une tablette. Vous avez vu les dernières rumeurs, donc on va voir ça. D'accord, donc en gros pour résumer, Jérôme, on pourrait avoir des smartphones, deux smartphones, hein, un Nexus 5 et un Nexus 6 qui seraient renouvelés. On pourrait avoir peut-être deux Chromecast et même une tablette. Alors c'est la dernière rumeur que tu as pu découvrir là-bas. Une tablette Pixel, je ne sais pas si vous avez vu les portables Pixel, les PC portables Pixel qui viendraient une tablette un peu Pixel, à la manière de la Surface de Microsoft, de l'iPad Pro. C'est la dernière rumeur, peut-être ça sera annoncé aujourd'hui, on ne sait pas encore en tout cas. Mais vu l'événement, vu les moyens mis par Google, on peut s'attendre à des annonces au-delà des Nexus et d'Android. Comment tu sens l'ambiance là? Les journalistes sont véritablement dans l'ambiance, ils sont impatients, il y a du monde vraiment? Beaucoup de monde comparé à d'habitude. Juste à titre de comparaison, il y a deux ans quand il y avait la présentation du Nexus 5, il y avait peut-être 15 à 20 journalistes maximum.
Là, on est plus au-delà des 60, voire peut-être même des 100. Voilà, pour l'instant, c'est assez studieux. Tout le monde est sur son ordinateur à taper, à live tweeter, j'imagine. Et là, la musique va pas tarder à s'arrêter. Je pense qu'on va pas trop tarder à partir. D'accord, très bien. Bon, on va suivre ça de près. Jérôme Marin qui est donc avec nous et qui, de temps en temps, nous fera un petit coucou. Jérôme, on peut imaginer qu'à la fin de cette conférence, tu vas voir les produits, non? C'est comme ça que ça fonctionne aussi chez Google, de la même manière qu'avec Apple? Normalement, ça n'a jamais été comme ça, mais là, cette année, il y a un espace de démonstration qui est prévu donc, pour voir justement ces produits. Je ne peux pas trop vous dire parce qu'on est dans une pièce, on n'a pas vu le reste de l'événement. Donc pour l'instant, on est dans une pièce où on ne voit pas trop ce qu'il y a à côté, mais a priori, il va y avoir un espace pour tester les Nexus, peut-être la tablette, les Chromecast et tout ce qui sera annoncé aujourd'hui. D'accord. On se rend compte quand même qu'il y a pas mal de similitudes maintenant dans le déroulé de ces events, hein, Jérôme. Hein. Ah, il y a une grammaire, il y a un... Voilà, c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a un événement mondial qui est fait à San Francisco, il y a la retransmission de cet événement qui est à Londres. À la fin, on ouvre un rideau, on peut voir les produits. Il y a tout un rituel. Excusez-moi de refaire encore le pitch d'Apple, mais c'est vrai que c'est Apple qui a inventé cette manière de communiquer et que visiblement Google est en train d'embrasser aussi. Pourquoi pas? Cela dit, Google prépare aussi les fêtes de fin d'année, croit énormément en ses Nexus, donc on peut imaginer que c'est un rendez-vous important pour eux aussi. Et pour nous, fans de high-tech également. Alors, vous le savez, vous pouvez nous regarder ce soir en live, en vidéo, sur 01nettv.com, bien entendu. Et puis, il faut suivre également tout ce qui se passe sur 01net.com, puisque toute la rédaction de 01net.com est mobilisée, avec notamment un live tweet en direct, enfin plus qu'un live tweet, en fait un live écrit donc depuis San Francisco, depuis Londres également, avec toutes les annonces, tous les détails, tous les prix aussi, il sera certainement question de prix. Donc ça c'est sur 01net.com, donc vous ouvrez deux fenêtres, hein. D'un côté, le live de la rédaction de 01net.com et puis juste à côté, la vidéo, vous nous suivez en vidéo live et vous interagissez sur Twitter. On attend vos messages, hashtag 01live. Bon, le problème, c'est que quand on ouvre deux fenêtres, en général, il y a un courant d'air après. Donc, là, couvrez-vous bien. C'est tout, non, hein. C'est dans la même pièce. Ça va aller. Bon, ouais. Oui, c'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette soirée? Il y a pas mal de choses, mine de rien. Hein. Et alors, encore une fois, comme avec Apple, il semblerait que tout est fuité. En tout cas, une bonne partie de ces informations est fuitée. On pourra véritablement en tirer le verdict à la fin de ce live. Peut-être qu'on aura des surprises, mais rendez-vous compte, hein, sur le site de 01net.com, il y a un article qui dévoile pratiquement déjà tout ce qu'on va pouvoir retrouver, c'est-à-dire à la fois les Nexus, donc deux Nexus, un qui s'appellerait le 5X et l'autre le 6, voilà, le 6P. Et puis deux Chromecast. C'est pas le 6PO, non? Non, le 6PO qui va bientôt revenir. Ce sera au mois de décembre. Ce sera au mois de décembre. On est impatients d'ailleurs. Oui, enfin ça va, Christopher est en train de se monter de la blague de Jérôme 6P. Il a fait un effort. Allez, viens plutôt t'asseoir avec nous, Christopher. Non, il faut qu'il parte. Ah non, il faut qu'il parte. Ouais, mais tu reviens après quand même. Tu vas à la télé, tu reviens après. Voilà, c'est ça. Okay. Donc deux Nexus, on a parlé aussi de deux Chromecast. Alors un Chromecast, vous savez, c'est cette petite clé magique qui vous permet de visualiser du contenu depuis votre smartphone. Hein. C'est un peu, on va dire, le AirPlay de Google, hein, en schématisant au maximum. Voilà, ce petit Chromecast. Oui. C'est vraiment pratique. Et c'est un vrai succès. Hein. Je crois que c'est un vrai succès commercial. Effectivement. Auprès des geeks, ça plaît parce que c'est simple à installer. C'est pas cher. C'est pas cher du tout. C'est 30 euros. Je crois qu'aujourd'hui, ça coûte même encore moins que ça. Donc voilà, Chromecast qui permet de regarder la vidéo, etc., de son smartphone sur la télé. Netflix, par exemple, moi j'utilise très souvent pour Netflix, et c'est vrai que ça marche hyper bien. Et puis peut-être même un deuxième. Alors, ce qui se passe, c'est que ce Chromecast commence à dater, hein, il a 2-3 ans, donc on peut imaginer qu'Apple, Google le mette à jour et propose justement du Wi-Fi AC et peut-être des puces vidéo plus performantes. Pourquoi pas un Chromecast 4K, hein, puisqu'on commence à avoir de plus en plus de contenu 4K et on sait que. Bon Wi-Fi, il faut quand même un bon Wi-Fi, ouais, il faut avoir de la fibre. Mais quand on voit que sur YouTube, on peut trouver maintenant des contenus en 4K, pourquoi pas, hein, ça pourrait avoir du sens. Et puis un autre comme Chromecast, alors là, assez étonnant, ce serait un Chromecast dédié à la musique. Et qui pourrait donc se connecter à votre chaîne Hi-Fi. Vous pourriez donc piloter votre musique depuis votre smartphone pour vous l'envoyer sur votre chaîne Hi-Fi. Et à cette occasion, Google pourrait, pourquoi pas, annoncer une offre familiale en fait de son service Google Play Music,
Parce qu'aujourd'hui, Google Play Music, on n'en entend pas beaucoup parler. Non, non, surtout elle en a France. Été un petit peu voilà, dans l'ombre de, d'Apple Music, de Spotify et de Deezer. Alors voilà, est-ce que là aussi, ce comment dirais-je, cette fenêtre hein, médiatique qui s'ouvre sur Google permettrait donc à Google Music de revenir un petit peu sur le devant de la scène avec pourquoi pas une offre familiale, 5 ou 6 personnes pour $15, comme le fait aujourd'hui Apple. Ça serait peut-être pas mal hein, pour relancer Google Music. Même si ce système qui permet de streamer de la musique sur une chaîne, bon, ça existe déjà. Hein. Alors évidemment, ça ferait du bruit là parce que c'est Google, mais il y a déjà des choses comme ça qui existent. Chez Logitech, etc. Il y a pas mal d'outils de ce genre. Voilà, donc deux nouveaux Chromecast peut-être, et puis donc la nouvelle version aussi d'Android qui s'appelle Marshmallow. Marshmallow, oui. Bon, alors on va voir un petit peu quelles sont les nouveautés de ce Marshmallow qui visiblement mettrait en avant, entre autres, l'identification, la biométrie via l'empreinte digitale. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a Google Pay. Et pouvoir payer avec son empreinte digitale comme voilà, il faut suivre un petit peu le sillon d'Apple et on peut imaginer que Google soit aussi dans cette mouvance-là. Et puis donc peut-être une nouvelle tablette, hein. Et puis peut-être aussi des informations de YouTube. Je ne sais pas si vous avez lu tout comme nous cette information étonnante. YouTube s'apprêterait à devenir payant. En tout cas, il y aurait une version payante de YouTube qui coûterait aux alentours des $10 par mois et qui vous permettrait de ne plus avoir de publicité. Et voilà. Effectivement, ça va être testé sans doute d'abord aux États-Unis, peut-être vers fin octobre, plus vraisemblablement décembre ou janvier. Et l'idée, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'on paierait comme on paye aujourd'hui pour la musique, Spotify, Netflix pour la vidéo, etc. On paierait pour YouTube et on n'aurait plus du tout de publicité, parce que c'est logique, il faut bien savoir que tous les producteurs de contenu sur YouTube sont de plus en plus professionnels, il faut des moyens évidemment. Pour faire ça, donc il faut de l'argent. Aujourd'hui, c'est assuré par la publicité. Si on enlève la pub, il faut pouvoir le compenser, et c'est pas mal si tout le monde y trouve son compte. Maintenant. Tout à fait. Il faut que les ayants droit soient d'accord, notamment pour les clips vidéo, de musique, pour les films, etc. Et est-ce que cette offre YouTube à $10 par mois intégrerait aussi Google Music, par exemple? On pourrait imaginer avoir ça ferait beaucoup dans la corbeille de la mariée. Une offre globale, monsieur. Regarde un peu ce que fait Apple hein, avec Apple Music. Il y a aussi énormément de clips vidéo qui font partie de ton package à $10 par mois. Donc, à voir aussi. En tout cas, tout ça, ça va être intéressant. Peut-être que durant cette conférence, on n'évoquera pas tous ces sujets, hein, puisque visiblement, c'est avant tout un rendez-vous dédié au hardware, donc avec de nouveaux smartphones, de nouveaux Chromecast et pourquoi pas de nouvelles tablettes. Mais qui sait, peut-être que Google en profitera pour annoncer toutes ces nouveautés. 17h58. Dans 2 minutes, ça démarre en principe. Voilà, même pas. Voilà, on a trouvé le streaming. Hein, Florian voilà, nous l'affiche. On salue d'ailleurs Florian Beaufreton qui réalise ce live. Et puis aussi Pierre Thuelin qui est là, qui s'occupe de tout le reste. Florian qui est en pleine forme, il rentre de vacances. Thuelin, ça va Pierre, excuse-moi, j'ai un peu mâchouillé. Ouais, mais quand on s'appelle Thuelin, c'est pas facile. Hein, voilà. Tu pourrais t'appeler Pierre Beaufreton, ça serait plus simple. Te laisse pas faire Pierre, on réglera ça après. On réglera ça après, voilà. Pierre qui est très sympa, il est venu avec des petits muffins. Oui, mais on ne pourra pas les partager. Hein. Non, on ne peut pas les partager. On s'est servi avant que ça commence. Parce que j'ai vu des petits messages en disant, oui, vous allez apporter les chips et tout ça. Non, alors aujourd'hui, on est plutôt sucré, vous voyez. La dernière fois, on était salé. Non, on est plutôt sucré, on a les muffins. Mais on va éviter de les manger parce que quand on mange après, on n'arrive plus à parler. Et bon, déjà que c'est un peu compliqué parfois, donc si en plus on se rajoute comme ça des obstacles, c'est pas évident. Bon, elle a commencé cette conf ou pas encore? En général, ça commence, c'est comme le train. Bah écoute, il est 17h59 et 30 secondes, donc ça va pas tarder. Ouais. Le hashtag 01 live, ah oui, tiens, une bonne question de Kevin, est-ce que les Nexus coûteront moins cher? On n'a pas d'informations, mais si je me réfère à l'article, à l'excellent article de notre ami Pierre Fontaine sur zeronet.com, il semblerait que ces nouveaux Nexus soient moins chers que les précédents. Je ne sais pas si tu te souviens, mais la philosophie de Nexus au départ, c'était de proposer des smartphones pur Android et à des prix relativement assez abordable, hein, on se souvient du Nexus 4, etc. Le Nexus 6 avait complètement oublié cette philosophie-là, les prix avaient complètement explosé. D'ailleurs, pour ça, à mon avis, que le Nexus 6 n'a pas eu énormément de succès. Et bien là, visiblement, si les prix que nous donne Pierre Fontaine s'avèrent exacts, on serait aux alentours des 399€ pour le Nexus 5. Au lieu de, tu te souviens du prix des actuels? Je crois qu'on était plutôt à 500 et quelques. Il faudrait regarder. Mais en tout cas, ils étaient beaucoup plus chers. Donc, il semblerait que Google ait décidé de revoir le prix à la baisse de ses smartphones, peut-être même en les subventionnant.
hein, parce qu'il y avait cette rumeur-là hein, qui circulait il y a quelques années de cela. Donc on va voir tout ça tous ensemble ce soir. 18h passées de 40 secondes, Florian, toujours rien. Le stream va sans doute commencer dans quelques secondes. En attendant, je propose que tu chantes une chanson. Ah ben si tu veux, je peux, ouais, je peux chanter. C'est quand même ce que tu te fais de mieux quand les caméras ne tournent pas. Après, il y a super. Voilà, maintenant vous connaissez. Non, non, vous connaissez tout sur ma vie privée. Qu'est-ce que je vous dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te chante ? Chante très bien. Non, je vais pas chanter là maintenant. Écoutez, franchement, gardons quand même nos téléspectateurs devant leur écran. Il faut pas qu'ils partent. Supercraft qui nous dit, vous trouvez pas qu'il y aura une différence très minime entre le Nexus 6 et le 6P ? Oui, parce que visiblement, ces deux smartphones vont beaucoup se ressembler, mais visiblement le 6P, donc qui serait le nouveau modèle, serait un tantinet plus petit. Il serait en fait à 5,7 pouces. Là encore, si on se réfère à l'article de Pierre Fontaine sur zeronet.com. Voilà, donc on va peut-être d'ailleurs jeter un œil sur le flux d'informations que donne Zeronet en ce moment. Sur la forme de cette conférence, François, c'est vrai qu'il y a... alors j'ai vu passer un tweet qui nous dit « on espère qu'on va moins s'ennuyer que la dernière fois ». Parce que c'est vrai que, rappelle-toi, c'était quoi, il y a 2 ans à Google I.O. ? Oui. Ou d'ailleurs, la version Android qu'on va découvrir ce soir avait été un peu dévoilée, si je ne m'abuse. C'était pas il y a 2 ans, c'était il y a moins de temps, je crois bien. C'était l'année dernière, alors. Ouais, oui, c'était l'année dernière. Logique. Et c'est vrai qu'on s'était un peu ennuyé quand même. Ça n'en finissait plus. Bah oui, mais parce que c'était la Google I.O. C'était donc pas là, la même chose. Voilà, la Google I.O. c'est la conférence des développeurs. C'est un peu le comment dirais-je, pour faire le parallèle avec la WWDC qui a lieu pour Apple à la même période d'ailleurs, au printemps. Voilà, les conférences développeurs, comme leur nom l'indique. Voilà, donc pour là, les développeurs. On vous montre des lignes de code, des machins un peu compliqués. Là, visiblement, on va être sur du grand public. Sur du grand public, oui. Sur du hardware. Donc on va se régaler avec de nouveaux produits. Ça, c'est cool. 18h02. Le hashtag 01Live, toujours, n'hésitez pas, on jette un œil à vos tweets. Ouais. Non, je ne vais pas chanter, c'est pas la peine. Même sous la torture, je ne chanterai pas. Ça y est, ça démarre. Et puis Sundar Pichai. Donc et c'est Sundar Pichai qui monte sur scène. Le CEO qui est là sur scène. Le nouveau CEO de YouTube, de Google. Oui, de Google. Et depuis, Google est devenu Alphabet. Voilà, c'est ça. Hein, ça aussi, un truc un peu étrange. Hein. Donc Alphabet, en fait, chapeau. C'est devenu trop beau. Chapeau de Google, ouais, ouais, en quelque sorte. Hein. Tout à fait. Voilà, Sundar Pichai. Je sais pas, est-ce qu'on aura en plus du son ? On peut essayer. Peut-être pas trop en demander, mais... Oui, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Si, Florian et Pierre sont en train de s'activer, je pense que ça va arriver. On voit bien la scène, là, c'est assez sobre, hein. C'est beaucoup moins, on va dire, spectaculaire que la keynote d'Apple, où il y avait, rappelle-toi, des milliers de personnes qui étaient là, une immense scène de concert. Là, vraiment, on reste dans une configuration... j'allais dire intime, pas intime, mais en tout cas plus sobre. Même si Jérôme Marin nous disait tout à l'heure que c'est quand même plus impressionnant que les années précédentes. Hein. Apparemment, tout au moins par rapport au nombre de participants, etc. Donc pour l'instant, on n'a pas de son, mais ça va venir, très certainement. Alors Alexis qui me demande ce que j'ai comme mordi. Eh bien, je vais lui dire... J'ai un XPS, un petit XPS, en fait, qui est transformé. D'ailleurs, je peux vous le montrer. Je l'avais peut-être déjà montré. En fait, c'est un petit XPS qui a la particularité d'être complètement transformable et se transformer en tablette. Et oui, il y a du Windows ce soir dans la soirée Google. Et moi, personne ne me demande. Ben non, mais parce que toi, on sait que tu as un Mac. Ça, voilà. Donc voilà, ça se transforme en fait en tablette. Ça y est, on a le son de Sundar Pichai qui arrive. Hop. Alors, on va l'écouter un petit peu pour se mettre dans l'ambiance, même si c'est en anglais. Oh, il aurait pu faire un effort quand même, hein, nous faire ça en français quand même, Sundar. On a Raphaël qui nous dit, salut les amis, étant déçu de l'iPhone 6S, j'attends beaucoup de ces Nexus pour me positionner sur mon futur smartphone. C'est assez révélateur hein, ce genre de réflexion, parce que c'est vrai que on est dans une période, à l'approche des fêtes de fin d'année, où on peut se poser la question de switcher, de passer d'Apple à Android, d'Android à Apple, ou pourquoi pas d'Apple à Windows Phone, ou d'Android à Windows Phone, ou vice-versa. Et c'est vrai que certains d'entre vous ont été malgré tout assez déçus hein, de ces nouveaux iPhone 6S.
même s'ils se sont vendus comme des petits pains. Hein, Jérôme, oui. On pourrait commenter les résultats de vente qu'Apple a communiqué hier ou ce matin, je ne sais plus. 13 millions en deux jours. 13 millions en deux jours, record battu puisque l'année dernière c'était 10 millions hein, d'iPhone 6. Là on est passé à 13 millions, donc c'est vrai que la question de Raphaël est pertinente. Est-ce que Google va nous séduire ce soir avec ses nouveaux Nexus? Et pourquoi pas switcher, passer d'Apple à Android. Ça peut être le bon moment. Rappelons en plus que ces smartphones Nexus sont toujours assez séduisants parce qu'ils intègrent pas de couche, de surcouche logicielle. Hein. C'est vraiment de l'Android pur, comme on dit. Et c'est un peu les téléphones étalons, en quelque sorte, de Google. C'est vraiment le smartphone des fans d'Android. Exactement. Hein. Qui l'ont sans aucune surcouche opérateur, en effet. Et beaucoup de geeks et même d'utilisateurs de smartphones aiment beaucoup ces smartphones, justement, sans surcouche. Il y a Alexis qui nous demande sur YouTube, pourquoi pas une Google Watch? Alors, posez-nous plutôt des questions sur Twitter, c'est plus facile, mais enfin là, on va quand même lui répondre pour lui dire que, en fait, des Google Watch, il y en a déjà. Hein. C'est l'Android Wear, hein, bien et sûr. Voilà, donc c'est à l'occasion d'une keynote Google qui avait été présentée, la Moto 360. Les montres Android de LG, de Samsung, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de Nexus Watch pour l'instant. Non, il n'y a pas de Nexus Watch, Jérôme, tu as raison. Mais ça serait peut-être une bonne idée de lancer une Nexus Watch. Why not? Voilà, une montre made in Google. Alors, bon, quand on dit made in Google, pas forcément, puisque on sait que Google fait toujours appel à des partenaires industriels pour ses Nexus. Hein. Alors, c'est LG, Huawei, Motorola, etc. Donc, pourquoi pas une Nexus Watch? Tiens, ça serait pas mal, ça. Ouais. On va bien voir. Avec Android Wear qui s'ouvre, hein, rappelons-le, puisqu'Android Wear, depuis peu, grâce à une mise à jour, permet aux iPhones aussi de pouvoir utiliser cette Android Wear, en tout cas les montres sous Android Wear. Bon, alors là, c'est l'intro. Donc, Sundar Pichai nous fait un petit pitch sur Android, le meilleur, le plus fort, le plus beau. Au moins sur l'importance qu'a pris Android à travers le monde. Et c'est vrai que, effectivement, de toute façon, les parts de marché d'Android ne cessent de croître. Qu'est-ce que vous pensez d'Android? Tiens, profitons-en puisqu'on a un peu de temps. Est-ce que vous trouvez que Android est l'OS ultime aujourd'hui? Ou est-ce que, en comparaison avec Windows Phone ou avec iOS, c'est un système qui a quelques petits défauts, quelques faiblesses? Allez-y, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Nous, avec Jérôme, on a notre sentiment, on vous le dira peut-être un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que, force est de constater, Jérôme, qu'il y a encore quelques années, Android était une usine à gaz qui était inutilisable, hein, pratiquement. Enfin, c'était vraiment un truc pour les geeks. Oui, c'est vraiment un truc de geek. Ouais. Et petit à petit, on s'en est rendu compte avec les mises à jour. Surtout par rapport à iOS qui avait beaucoup d'avance. Ah oui, mais qui était, qui était un peu la référence en termes de convivialité, etc. D'ergonomie. Mais ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé et on se rend compte, notamment avec Lollipop, que Android aujourd'hui est d'une fluidité, d'une simplicité d'utilisation. Alors, peut-être pas encore aussi simple d'utilisation qu'iOS. Mais on s'en rapproche de version en version. Android, alors voilà, on change d'intervenant là. Android qui truste plus de 80% du marché mondial. Logique. Faut même le rappeler. Logique, hein. Ça, oui, c'est bien sûr. Logique. David Burke est là. Nexus is Android as we've designed it, showcasing the very latest and best in material design and the newest Android software. And today, I'm super excited to announce not alors, il est super excited, hein, t'as vu? Est-ce que tu crois qu'ils vont nous faire le coup du 38% plus fun que... Non, ça c'est Apple. Non, ça c'est Apple. Alors, voilà, donc là, il a Nexus. Donc ça, c'est le 6P. C'est le 6P, celui-là? Ouais. Non. C'est ce qu'il vient de dire. Ah, il a dit ça, d'accord. Ouais. Okay. C'est bizarre, il a l'air... assez petit. Tiens, on a vu. Alors, vous avez vu à l'arrière, ça doit être sans doute le capteur d'empreinte. Oula, il est fin. Il est joli, hein? Trois couleurs. Blanc, gris et bleu. AMOLED, écran AMOLED. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'écran maximum.
maximisé sur l'appareil. Ouais, ils sont arrivés à mettre plus d'affichage en fait sur la même taille de smartphone. Et ça, c'est vraiment le gros défi aujourd'hui de tous les constructeurs de téléphones portables, c'est d'avoir des téléphones avec de grands écrans sans pour autant agrandir en fait la taille du téléphone. Donc, il faut que l'écran il lèche en fait la bordure du téléphone. Il y a vraiment des smartphones qui sont d'ailleurs impressionnants à ce sujet. Pour reparler d'Apple, visiblement Apple n'a pas encore choisi cette stratégie, puisqu'on voit qu'il y a énormément de place perdue en haut et en bas sur les côtés, hein, sur les iPhones, mais même sur les nouveaux iPhone 6S. Donc 5,7 pouces l'écran. D'accord. Mais l'écran représente 74% de la surface du téléphone. Voilà, il a parlé de l'appareil photo. Je n'ai pas compris bien les nombres de mégapixels. Je ne sais pas si c'est 12 ou 13. 8 mégapixels en façade, les amis. On va faire des selfies là. J'adore le petit bouton. Alors, je pense que le bouton derrière, c'est le capteur d'empreinte. On est d'accord, Jérôme, non ? Il n'en a pas encore parlé, mais... Oui, ben voilà, il met son doigt dessus. Ça y est. Je trouve ça très, très beau. C'est dingue, ouais, oui, c'est ça, tu as raison. Aujourd'hui, tous les smartphones, enfin, haut de gamme, et peut-être pas forcément... Alors, évidemment, il y a de l'USB-C. Ça, c'est une petite révolution quand même. Il n'y a pas énormément... C'est le premier Nexus avec USB-C ? Oui, bien sûr. Mais c'est d'ailleurs l'un des tout premiers smartphones avec USB-C. Il y a très, très peu de smartphones avec USB-C. Oui, alors il y a le OnePlus 2, mais bon, ça reste quand même assez confidentiel. Là, on va dire qu'on... Voilà, si Google se lance véritablement sur l'USB-C, ça veut dire que demain, la plupart des smartphones auront sans doute de l'USB-C à la place du micro-USB qu'on connaît aujourd'hui. Rappelons que l'USB-C, c'est la prise qui équipe, la seule unique prise qui équipe le nouveau MacBook, hein, Jérôme. Ouais. Alors ça, c'est le Nexus 5X. Là, voilà, donc là, on montre le Nexus 5, hein, on Nexus est d'accord. Nexus 5X, hein, oui. Qui a l'air un petit peu, pas moins bien fini, mais peut-être moins... moins classieux, avec toujours le petit capteur d'empreinte à l'arrière. Et le Nexus 5X a some of the same great hardware features you'll find in the Nexus 6P. So the 1.55 micron camera to capture more light. Voilà, donc de l'USB-C aussi. Un nouveau capteur photo. Alors, qu'est-ce que c'est que le Nexus Imprint ? Alors, on va voir peut-être quelques petites démos, là. Voilà, donc là, on rentre dans le détail de l'appareil photo. Et pendant ce temps-là, n'hésitez pas à réagir, posez vos questions. Hashtag 01Live sur Twitter, les amis, on vous attend. Le capteur d'empreinte à l'arrière, c'est LG qui avait lancé ça en premier, si je me souviens bien. Ah non, ou HTC peut-être. Alors là, j'ai un trou, je sais qu'il était sur le nouveau Mate S. De Huawei, qu'on a vu il y a quelques semaines de ça à l'IFA. Voilà, donc capteur 12 mégapixels, 2,3 exactement. Alors, ça y est, on compare maintenant avec les iPhone 6 Plus, c'est rigolo. Donc on se retrouve avec des... Je pense que là, ça doit être la taille des, comment on appelle ça, des pixels qui captent l'image, en fait, tu sais, dans les appareils, le photosite. Et Christopher Siminelli nous a rejoint simplement pour nous dire ça, il peut repartir. Merci beaucoup, Christopher. Merci pour cette belle précision. C'est notre consultant pixel. Voilà, c'est... Donc c'est ça, donc les photosites, c'est plus les photosites sont gros, plus ils captent la lumière, hein, c'est ça. Hein. Pourquoi ça veut rien dire? Et oui, bien sûr, derrière. Disons qu'il faut allumer son micro. Attends, on va peut-être t'allumer. Oui, parce que là, si le micro est éteint, même si tu as une voix qui porte. Donc on va traduire. Christopher nous a expliqué que ça voulait dire ça. C'était les photosites, mais que la densité de photosites n'était pas forcément synonyme de qualité. C'est vrai que ça aide pour capturer beaucoup plus de lumière, mais si le traitement logiciel derrière, le traitement d'image derrière ne suit pas, on aura des photos un peu bouillies, quoi. Bouillies. Ouais. Voilà.
Bon, on va voir. En tout cas, comparaison avec l'iPhone 6S, c'est étonnant parce que rarement Google s'amuse à comparer ses téléphones avec les iPhones. Alors, le Nexus 6, c'est l'un des meilleurs photos, un des meilleurs appareils en basse lumière. C'est vrai ? Ah, clairement. Ah ouais. Super étonnant. Il fait des super photos en basse lumière. Autant que... Alors voilà, là, il y a des comparaisons... entre l'iPhone 6S. Oh, ils exagèrent, là, d'ailleurs. C'est meilleur que ça. Hein. Ah bon, ils exagèrent ? Oh, c'est curieux. Non, c'est même meilleur que ça. Ils se sous-estiment. Ah oui, d'accord. Le Nexus 6, c'est bien meilleur que ça. Bon, enfin, ça a une valeur toute relative, quand même, ces démonstrations. Parce que c'est un peu comme les télés dans les magasins. On sait que les marques qui offrent le plus de marge aux vendeurs sont celles qui sont les mieux réglées. Ouais. Et puis souvent, quand les télés sont mal réglées à côté, c'est parce que. Ah, mais là, c'est pas tout à fait la même chose. Là, c'est pas un vendeur multimarque, c'est Google. Nous avons envoyé des photos, des démonstrations prises avec un Lumia hyper bon en photo. Et ils avaient envoyé tous les fichiers d'origine à la presse. Et en lisant les fichiers, les données EXIF, vous savez, des photos. Oui, bien sûr, où on a plein d'informations sur avec un énorme réflexe Canon. Oh mon Dieu, la honte. C'était un peu la honte. Ouais, alors on va pas revenir sur cette histoire de Lumia. Les pauvres, ils ont fait quand même 2-3. C'était il y a quelques années. Ils ont changé. C'est à l'époque de Nokia d'ailleurs. Mais hein, oui, mais ils en ont fait 2-3 bien gratinés quand même. Hein. Ouais, ils nous ont pris un peu pour des pip il y a quelques temps de cela. Mais bon, ça a changé quand même depuis. Donc, ils ont mis en avant la vitesse de l'autofocus. Ouais. Je suis impatient de les voir, ces Nexus. Je les trouve assez sympas. Et puis, je trouve que le prix... Alors, ils n'ont pas encore annoncé le prix. Peut-être qu'on aura une mauvaise surprise si, effectivement, les rumeurs ne s'avèrent pas exactes. On parlait de 399 dollars en prix de départ. Ouais, mais c'est pas très cher, finalement. Ça fera du 449 en France. Ouais, mais pour avoir un smartphone avec autant de... Il faut voir après, bon, la qualité de l'écran... Séduisant, je ne sais pas si ils en ont parlé. Est-ce qu'il y a un stabilisateur optique, par exemple ? Alors, pour l'instant, on n'a pas eu cette information. Il y a eu des comparaisons de photos prises avec, justement, l'iPhone 6S Plus. Et visiblement, en basse luminosité, le nouveau Nexus en sortait plutôt pas mal. Bon, voilà, à voir. Sensor data over time in a power efficient way. By offloading sensor processing from the main CPU to the Android sensor hub, we're able to run at a fraction. Et puis bien sûr, vous pouvez suivre ce live aussi version écrite avec Jérôme Marin qui est à San Francisco, directement sur zeronet.com comme c'était indiqué sur l'écran. Alors là on rentre dans le dur les amis, on commence à s'intéresser aux capteurs de de ces smartphones. Ouais, c'est un peu l'équivalent du M9 hein, d'Apple qui intègre une puce dédiée. Oui, c'est ça. Un processeur dédié au traitement des. Pourquoi avoir ça sur une puce dédiée ? Ça permet au smartphone d'être beaucoup plus réactif et voilà aux de moins consommer d'énergie peut-être aussi visiblement. Moins consommer d'énergie, ouais. Et c'est hyper utile pour la reconnaissance vocale aussi. En fait, c'est les processeurs qui sont always on, on dit voilà toujours à l'affût de la manière dont on va les utiliser. C'est ce qui permet par exemple aujourd'hui avec la nouvelle iPhone 6S de répondre quand on lui dit dis Siri finalement alors qu'avant il fallait appuyer sur un bouton. Exactement, c'est exactement ça. D'ailleurs je lui dis dis Siri, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Attendez là, il faut quand même. Il est fort hein, quand même l'iPhone. Hein. Est-ce qu'on lui demande qu'est-ce qu'il pense des nouveaux Nexus ? Ah ben ouais, tiens. On va lui poser la question, je sais pas trop ce qu'il va nous dire. Hein. Dis Siri. Que penses-tu des nouveaux iPhone ? Nexus. Voilà, bon, ça, c'était la première question. Tu as lancé le mien, ce qui n'est pas normal. Et que penses-tu des nouveaux Nexus qui sont annoncés ce soir ? Alors là, il dit... Il comprend rien du tout. Là, il dit... Il croit que je dis d'excuses, en fait. Nexus, c'est un mot qui est banni de son vocabulaire, en fait. Ça ne fait pas partie de sa base de données. Ce qui est amusant, c'est que tu as lancé... Les smartphones Nexus de Google. Non, il écrit excuse, en fait. Non, je pense que tu as raison. Nexus, c'est un mot qui n'est pas dans son EEPROM, en fait. Ils l'ont complètement enlevé. Il parle là, on parle du capteur d'empreinte. Qui lit les empreintes en moins d'une seconde. Oh. Eh bien, dites-moi.
Alors c'est vrai qu'Apple a justement communiqué sur la rapidité d'exécution du nouvel iPhone. Parce que c'est désormais intégré à Android M, ce qui n'était pas le cas avant. C'était une surcouche logicielle développée par chacun des fabricants. Donc l'expérience de l'empreinte digitale était aléatoire, inégale. Et le fait que ce soit intégré au cœur du système va pas mal améliorer la situation. Alors je vais peut-être te poser une colle, mais qui fabrique ces Nexus? Je crois qu'il y en a un, c'est Huawei. Très facile. Alors le premier c'est LG, grand habitué des Nexus. Par contre le deuxième c'est inédit, c'est Huawei. Voilà, d'accord. Le 6P. Donc le 5 pouces, le 5,2 pouces c'est LG. LG, voilà. C'est peut-être pour ça qu'ils mettent l'accent sur la photo, parce que c'est vrai que le G4 qu'on a, évidemment, on peut imaginer qu'il y a pas mal de composants en commun avec ces deux appareils photo, en tout cas ces deux téléphones, et le G4 a été l'un des meilleurs smartphones de cette année. Il a un très bon capteur, il fait des super photos. Huawei qui fabrique le 6P, c'est la première fois qu'un fabricant 100% chinois, ils sont tous fabriqués en Chine, on le sait, mais qu'un fabricant 100% chinois développe un smartphone sous la marque Nexus. Et ça raconte pas mal de choses quand même. Ça assoit leur légitimité parce que si Google se tourne vers eux, le grand perdant c'est Motorola, mine de rien. Oui, c'est vrai. Le Motorola, d'ailleurs, qui n'est plus sans pied Google. Maintenant, Motorola, c'est les nouveaux. Donc forcément, le divorce est consommé. Le divorce est consommé. Mais aussi, on sent que Google a envie de draguer le marché chinois avec ses smartphones. On voit comment Apple surperforme, entre guillemets, en Chine avec ses iPhones. Et Google ne veut pas rater le coche. Et donc, le fait d'avoir dealé avec Huawei, je pense que ça va les aider à intéresser les Chinois. C'est pas un petit peu pour faire plaisir à tout le monde, c'est-à-dire à tous les constructeurs qui utilisent Android. À tour de rôle, ils prennent une grande marque. Un double objectif, alors peut-être que ça joue aussi, mais je vois ça moi aussi comme une tentative d'aller dire sur le marché chinois coucou. Oui, c'est une sorte de caution, une sorte de label. Voilà. C'est un label Google, ce qui n'est pas rien. Vrai que les derniers smartphones Huawei sont très bien. Donc là, il explique quelques gestes nouveaux par rapport à Marshmallow. Est-ce que le Mate Ace est sorti, ça y est? Le Mate S est disponible depuis le 25. Le test va être publié ces jours-ci sur 01net. Et alors, tu peux nous en dire un petit peu, plus ou pas? Oui, alors un peu... Sans trop, évidemment, déflorer tout le test. Mais... Le design, sublime. C'est l'un des plus beaux smartphones qui soit passé par la rédaction ces dernières semaines. Un peu déçu par les performances quand même. Oui, parce que c'est un processeur maison. Oui, alors le Kirin, ça va surtout par les performances 3D. On attendait un peu mieux. En photo aussi, on attend un peu plus d'un smartphone vendu quand même plus de 600 euros. Et l'autonomie est plutôt un peu décevante aussi. Voilà. On est une version assez précoce, on n'est pas sûr que le soft soit final, donc on attend encore de se prononcer vraiment. Oui, parce qu'en fait, on a eu ce téléphone bien en amont, très tôt. On l'a eu très tôt, début septembre à l'IFA, donc pratiquement un mois avant sa sortie, et on peut imaginer que d'ici là, il y aura une mise à jour. C'est ça, donc on attend, pour l'instant, selon nos premiers tests, on est un tout petit peu déçu. Et c'est dommage photo. Par l'appareil photo. L'appareil photo aussi. Un peu déçu. Et c'est dommage parce que vraiment, il est sublime ce téléphone. Ouais. Vraiment très très beau. Et toujours pas de nouvelles du Force Touch. Non. La dernière fois qu'on l'a vu, La dernière fois qu'on l'a vu, on l'a pas vu. En fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. Exactement. Bon, 18h23, vous êtes sur 01net TV et en direct, on vous fait vivre cette grande soirée Google. Google qui annonce donc ses nouveaux Nexus. Ça y est, c'est officiel. Donc, deux nouveaux Nexus. Il y a le 6P et le 5X. C'est ça. Alors, ça peut paraître brouillon, mais finalement, c'est plus clair parce que il existait déjà un Nexus 5, Nexus 6 qui correspondait à 6 pouces, Nexus 7, c'est une tablette. Donc finalement, on garde Nexus 5 qui fait référence à la taille d'écran. Par contre, c'est vrai que le X, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Le P non plus. Mmh. Alors, s'il y a des gens sur Twitter qui ont assez d'imagination, ils peuvent nous soumettre des suggestions. Mais au moins, c'est plus ou moins clair. Nexus 5 autour de 5 pouces. Nexus 6, 5 pouces 7. C'est assez amusant. Il revient sur la fonction qui s'appelle Now on Tap sur Android, qui avait été dévoilée à Google I/O. Et c'est quoi Now on Tap? C'est-à-dire qu'on accède à des fonctions supplémentaires en tapant sur tel ou tel bouton. Ça vous rappelle rien, ça? Un petit peu quand même. Hein
Ça ne nous ferait pas un petit peu penser à 3D Touch, ça ? Ouais, ouais, ouais. Mais alors, il faut appuyer. C'est-à-dire, on accède à des informations contextuelles en fonction des endroits où on est, dans une appli, sur un message, etc. Bon, ça m'étonnerait que Google ait développé ça en 2 semaines depuis les annonces Apple. Non, ils avaient ça dans les tuyaux. Je ne suis pas en train de dire qu'ils copient Apple. Ouais, pas du tout. Je veux dire simplement qu'il y a vraiment une convergence et il y a de moins en moins de différence entre ces deux OS. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est clair. Bien sûr. Ils sont l'un a tendance à être à se complexifier et l'autre a tendance à s'améliorer. Oui. Mais le nom, on tape. C'est vrai. iOS est un peu complexifié et Android se simplifie. Mais vraiment, ils sont sur les mêmes. Ah ouais, c'est les mêmes choses qui les intéressent. Le paiement, l'empreinte digitale, la rapidité. À tel point qu'on se demande encore pourquoi les fabricants nous développent des surcouches là. Oui. Par-dessus l'OS pur de Google, qui est quand même de plus en plus agréable à utiliser, quoi. Et oui, mais ça, c'est il faut que les constructeurs gardent quand même malgré tout. Oui. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'il faut qu'ils aient une petite patte perso de leur travail, parce que autrement, tu pourrais très bien acheter un Samsung, il y a beaucoup un de LG, ça serait les mêmes téléphones, quoi. Et déjà, c'est déjà qu'ils se ressemblent beaucoup tous. Ouais, mais moi j'apprécie par exemple Motorola parce que Motorola utilise la version standard d'Android et voilà, c'est agréable de ne pas avoir de fioritures partout, de trucs d'icônes qui ressemblent à pas grand chose. Voilà, je trouve ça pas désagréable en fait. Après, c'est une affaire de goût. Bon. Le non tap, c'est en gardant le doigt appuyé sur le bouton principal en fait. D'accord. Mais c'est une fonctionnalité qui utilise Google Now visiblement. Parce que en fait, ça te donne du contenu contextuel par rapport sur à Internet, où tu es, voilà, ce que tu fais à l'horaire, etc. Ouais. Hein, on est d'accord. Ouais, mais c'est vrai que Google aujourd'hui a réussi à agréger des tas d'informations. Pratique, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que ça c'est d'ores et déjà disponible en France. Si vous tapez par exemple le nom d'un magasin, vous êtes dans la rue, vous tapez le nom d'un magasin, mais non seulement il va vous indiquer où il est, à quelle distance il est, il vous indique maintenant s'il est ouvert en fonction de l'horaire, il vous dit là il est fermé, là il est ouvert. Si le commerçant l'a bien renseigné quand même au préalable les champs. Oui, bien sûr, si le commerçant l'a bien renseigné. Évidemment, il indique s'il y en a d'autres. Et ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, quand on fait défiler la liste tout en bas, voulez-vous commander un Uber pour aller à cet endroit-là? Le Uber intégré dans Google Now. En l'occurrence, c'est dans Google Maps. Google Maps, ouais, en effet. Ouais. Cela dit, il y a des bugs sur Google Maps. Moi, une fois, il m'a emmené dans un magasin qui n'existait pas. Donc, tu y allais quand même? T'as acheté des trucs? J'ai rien acheté, il n'y avait rien à la place. Ah. Non, mais de temps en temps, il y a des petits bugs. Oui, oui, moi aussi, il m'envoie vers des trucs c'est tout joyeux, un magasin. Puis t'arrives et... En fait, c'est vrai, ça m'est arrivé il y a 3 jours. Voilà, un magasin qui n'existait pas, exactement. Oui, exactement. Mais qui a déjà existé, je veux dire. Oui, mais qui n'existe plus. Sans voilà, doute, mais... Qui a fermé, mais Google n'a pas mis à jour toutes ces données. On va lancer un appel, commerçant qui fermait, mettez à jour votre... Voilà, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, il y a Malcolm qui est d'accord avec toi. Je ne sais plus pourquoi. Oui, mais il a raison. Il était d'accord. Moi aussi, je suis d'accord avec Malcolm. Tout va bien. Alors, c'est quoi la montre ? Oui, la montre. Alors, il y a aussi de nouvelles interactions vocales avec les applications. On peut démarrer, contrôler une application par la voix. D'accord. Je ne sais pas quelles applis exactement. Si, pour le réveil, des choses comme ça, apparemment. C'est pas mal, ça. Et ce sera ouvert aux éditeurs tiers, donc ça pourrait être intégré dans les applications tierces, les commandes vocales. D'accord. C'est bien ça. Ah ouais, pas mal. Genre tu utilises Google Now pour un itinéraire, un GPS, un truc comme ça. Sabrina Ellis, mesdames, messieurs. Now the Google Store is available in over 2 dozen countries and 50 different languages. Alors, visiblement, là, on va parler du Google Store avec Sabrina. Sympathique, hein, Sabrina ? Enfin, je veux dire, là, un petit veston vert. petite précision, alors Android 6 sera lancé la semaine prochaine sur les terminaux Nexus. Ah. 5, 6, 7 et 10, et bien entendu sur les Nexus annoncés ce soir. Info importante, donc tous ceux qui ont un Nexus 5, 6, 7... ou des tablettes, enfin 7 ou 10, auront droit à une nouvelle version d'Android. Voilà. Là. En revanche, ceux qui ont un Nexus 4, ils peuvent pleurer. Ils peuvent pleurer, mais en même temps, ils datent un peu. Hein. Je pense que ceux qui ont un Nexus 4 l'ont changé depuis bien longtemps. Ouais, quand même. Même si c'était un très bon téléphone qui avait un excellent rapport qualité-prix de Nexus 4. Hein. Il tombait souvent en panne. Ça, c'était le souci. Il avait un très bon rapport panne-prix. Les prix, justement, le Nexus 5X 379, 429
pour la version 32 Go et le Nexus 6P, regardez les prix, 4,99 pour 32 Go. Il existe même en 128 Go. Oui, c'est bien, c'est très bien. C'est une bonne nouvelle, sachant que ces téléphones n'ont pas de mémoire extensible et visiblement n'ont pas de batterie interchangeable. Donc encore une fois, on rejoint un petit peu le modèle Samsung Galaxy S6, iPhone, et etc. Apple. Oui, on a critiqué Apple là il y a deux semaines pour le fait qu'il commence à 16 gigas. Franchement, là, on peut mettre un petit carton jaune à Google pour dire la même chose. 16 gigas aujourd'hui non extensible, nous, on vous le déconseille clairement. Oui, mais les amis... Non, c'est tout, Jérôme, j'ai raison. Vous connaissez, il y a un truc nouveau qui n'existait pas quand vous étiez jeune, oui, mais qui s'appelle le cloud. Et tu habites à Paris, tu as de la 4G partout, donc c'est forcément... aux zones de couverture où il n'y a pas de 4G, tu fais comment? Ça viendra. Pour stocker toutes tes photos, toutes tes vidéos que tu prends en 4K et avec ton smartphone. De toute façon, même avec 128 Go aujourd'hui, pour stocker toutes tes photos, toutes tes vidéos, tu peux... Non, mais tu as le temps de voir venir. Oui, tu as le temps de voir venir. Plutôt que de faire une sauvegarde toutes les deux semaines, tu la fais tous les quatre mois, ça change quand même. Après, moi je suis partagé parce que je me dis que ça permet malgré tout à une certaine population qui n'a pas énormément de moyens et qui ne peuvent pas dépenser un petit peu plus d'acheter malgré tout un téléphone avec 16 gigas de mémoire. Bon, d'accord. Voilà. Mais c'est vrai que ça sent l'arnaque. Quand tu vois la différence de prix entre une carte 16 gigas et 32 gigas, c'est dérisoire. C'est dérisoire. Franchement, ça coûte pas grand chose à un fabricant de démarrer à 32. Voilà. Mais je pense que l'année prochaine, tous les téléphones démarreront à 32. Je pense qu'il n'y aura plus de 16 gigas. Espérons-le. Parce que cette histoire de cloud, c'est bien sympa, mais si vous commencez à uploader toutes vos photos que vous prenez dans le cloud, vos vidéos, etc., mais vous explosez vos forfaits data. Il faut le faire en Wi-Fi, voilà, pour éviter d'exploser son forfait. Le cloud, c'est gentil. Sur l'autonomie du téléphone. Clairement. Parce que votre téléphone, vous prenez une photo, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Il va l'uploader, il va surveiller les réseaux, etc. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'être tout le temps sur le cloud pour des raisons déjà de Jérôme. Oh, suffit maintenant. Et puis aussi d'autonomie de téléphone. Non, moi, je suis déjà dans le coup d'après, si vous voulez. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est le futur, en fait. Après, le cloud, il y a l'espace, quoi. Tu vois, Exactement. On a trouvé de l'eau sur Mars, hein, je vous le rappelle. Tu verras quand tu seras dans une zone. Tout est possible. Tu seras en edge. Ouais, je te laisserai la boire. Tu seras bien content d'avoir du cloud. Tu peux avoir ton cloud perso. Tu peux avoir ton petit disque dur en Wi-Fi et tu as ton cloud perso. Ouais, non mais là, il va à tout prix avoir raison. C'est n'importe quoi. Il va à tout prix être contre vous. C'est pas beau. Sinon, c'est pas drôle. Non mais vous êtes plutôt cloud ou plutôt mémoire stockée sur votre smartphone. Donnez-nous un petit peu votre sentiment là-dessus, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément d'accord. Mais techniquement, on est plutôt mémoire locale. Sauf que mémoire locale, ça coûte plus cher. Et pas beaucoup, c'est pas pérenne dans le temps. Beaucoup plus. Jérôme, c'est ce que disait Christopher aujourd'hui. C'est pas sécure dans le temps. Non, mais passer de 16 à 32 gigas, c'est quelques dollars aujourd'hui. C'est vraiment, on nous prend pour des imbéciles. Les constructeurs nous prennent pour des imbéciles. Ça coûte que quelques dollars en plus de passer de 16 à 32 gigas. Mais donc voilà. Abandonnons le 16, passons au 32. Et puis stockons dans le cloud, je suis d'accord. En fait, c'est 16 sans possibilité d'étendre la mémoire. Voilà, c'est ça qui est problématique. Ouais, 16 avec un port micro SD, pourquoi pas? Oui, mais ton téléphone est vraiment bridé dès le départ. Ouais, ouais. C'est comme si tu avais une Ferrari et que tu lui mettais... Avec un réservoir de 10 litres. Non, mais un filtre antiparticules qui lui bloque tout, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord, moi. Voilà. Bah oui, mais il vaut mieux... Il vaut mieux protéger l'environnement. Non, une Ferrari avec un réservoir de 2 litres, on va dire. Voilà, c'est utiliser ça. Sur exactement. 3 km. Voilà. Et, tout à fait. J'ai marre d'avoir raison tout le temps. Hein. Alors, je crois qu'on est passé le Nexus 6P, oui. 500 à 650 dollars, vous l'avez dit. C'est ça. Donc 500 à 650. 50 dollars en 128 gigs, n'est-ce pas? Et le 5X, 379 à 400. Sabrina n'est pas restée longtemps. Ah, ben, y a une autre demoiselle qui monte sur scène, c'est Eunice. Alors, Google Play for Families, qu'est-ce qu'elle va nous annoncer? Elle, c'est la chef de produit Google Play for Families. Ah, peut-être la possibilité de partager des achats entre plusieurs membres de la famille, ce qui serait pas mal. Un truc un peu à la Apple, Ah, c'est le sens de l'histoire, hein. Franchement, faire ça, c'est bien. Évidemment. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Elle lit son petit prompteur, hein, là, écoutez bien, la cocotte. And we've added some great features based on feedback from our users. And I want to share some of the work we've been doing on one. On va y avoir droit. Oui, c'est quoi? À notre abonnement familial de Google Play Music. Je sens là, Eunice, ça va nous sortir ça, mais comme qui rigole. Vous allez voir. Moi, j'en suis sûr. Ouais. J'avais un jeu de mots. Ouais. Je
Comme qui quoi? Non. Bah, si c'est trop, c'est trop chaud, on peut pas. Là, il est tôt encore. Donc là, elle parle de ça, son expérience personnelle. Oui. C'est très, très américain. Elle écoute Madonna. Non, c'est son mari qui lui a demandé de faire quelque chose parce qu'il en avait marre. Mais... Toujours placer un chat dans une présentation. Oui. C'est toujours. Ouais. Et encore, je suis déçu, mais ça aurait été un chat en gif, c'était mieux. Oui, c'est vrai. Là, ils ont un gif, un petit peu quand même. Toujours son petit thé. For families like ours and for many more, I'm excited to announce the Google Play Music Family Plan. Family Pack. Allez, Google Play Music Family Plan. Ça, c'est bien. Alors, combien et pour combien de personnes? 9,99. Ah non, 14,99 jusqu'à 6 personnes. Membres de la famille. Ouais. Pas mal du tout. C'est le même tarif bien. Qu'Apple Music. Oui. Cet esprit-là, Apple Music? Yes. $15 pour 6 membres, oui. C'est 6? Oui, oui. Alors, on va vérifier. Ouais. C'est 5 ou 6, hein, Apple, mais je crois que c'est ça. Laptops for work and for school, a TV with a Chromecast, and so on. With the family plan, we can listen across all of them, and we won't interrupt each other's experience. And we'll keep getting music that's personalized to each of us. So while I'm getting ready to work out with entering Beast Mode Radio, my husband can help him discover more music that lets him wallow in self-pity. And now, with the family plan, we can afford to give our daughter access to her own account, so she can enjoy Demi Lovato and Kelly Clarkson personnes. To her heart's content. C'est exactement le la même. 14,99 pour 6. On voit que voilà, Google a négocié en fait les mêmes conditions avec les majors que, qu'Apple. Hein. Oui, c'est ça, tu as raison. Ils ne peuvent pas non plus sortir des clous. Non, bien sûr que non. Pas de favoritisme. C'est sans doute Apple qui a posé les bases et puis... Est-ce qu'il y a un abonnement similaire sur Spotify? Eh bien, voilà. Je suis abonné à Spotify, c'est mais je n'ai pas regardé. Beaucoup plus cher. Et c'est là... C'est là où en fait le fossé se creuse. C'est là où le fossé se creuse en fait entre $25, Google Play Music et Spotify et même Deezer. Je pense qu'ils vont baisser, c'est pas possible. Ah non mais là ils sont obligés de s'aligner, c'est-à-dire que là aujourd'hui, voilà. Google Photo, il va nous parler de Google Photo. Alors lui, en revanche, on a intérêt à être d'accord ce qu'il dit parce que on va pas commencer à faire le mal avec lui. Hein. Google Photos was built. Google Photos gère les photos en couleur, ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Mais 8 couleurs. 8 bits. Today, I'm excited to announce 3 nouvelles fonctions liées à la photo. Ah. To make it easy for you to share, relive and hold on to the moments that matter with the people that matter. First, I'd like to talk about a feature that's near and dear to my heart. En 4 mois, plus de 50 milliards de photos uploadées sur le service. 50 milliards. We each have a library of memories, often of the same event. And they're on two different devices. With no easy way to pull them together. Alors Spotify pour 5 personnes, on est à €30. Non mais le double, le double. Spotify va être obligé de réagir parce que c'est ce qui risque en fait de couler tous ces services là, il faut qu'ils, absolument qu'ils s'alignent sur la concurrence. Ouais. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, même si Spotify est le top, on ne peut pas vous permettre de payer 2 fois plus cher pour 5 alors que ça coûte... Cela dit, avec un petit abonnement Apple Music, là, on se met à 6 potes ou 6 potes, on peut partager le même abonnement. Oui, mais tu es obligé de partager ton même compte iTunes. Oui, mais on peut créer des... Ah oui, ouais, c'est ça. Donc après, c'est plus délicat. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit des potes sympas parce que s'ils commencent à t'acheter n'importe quoi... Tout est parfaitement intégré au système, ça peut être un petit peu, ouais, je pense. Alors que Spotify, ce serait plus simple. Mais à mon avis, c'est une question de paramétrage. Je pense qu'en paramétrant bien iCloud, on peut peut-être arriver à faire quelque chose. Mais je pense qu'il y a des malins qui s'amusent à le faire, ils ont bien raison. Hein. Ah. $15 par 6, ça fait... Ça commence à être intéressant. Hein. Ça commence à être pas mal quand même. Même si très franchement, mea culpa, j'ai téléchargé illégalement depuis des années. Mais, on t'appelait d'ailleurs le téléchargeur, ouais. Je me souviens. Non, mais voilà. Mais depuis que je suis abonné à Spotify, c'est-à-dire depuis le début, je ne télécharge plus rien. Et voilà, c'est quand une solution légale offre une façon beaucoup plus simple... Que et téléchargement, la voilà, la mission est remplie. On ne peut plus reprocher à l'industrie de nous prendre pour des guignols. Quoi. J'ai vécu exactement la même histoire. Depuis que je suis un repenti. Ouais, donc,
Mais ça prouve qu'on était prêt à payer pour avoir un bon service. Mais bien sûr. C'est la même chose pour la vidéo. Hein. Pour Netflix, pareil. You can see me there in the blue shirt. Aujourd'hui, il y a combien de gens qui payent pour avoir des liens de téléchargement illégaux? Clairement. Ils payent 10 ou 15 dollars par mois, alors que on pourrait imaginer une offre légale. Mm-hmm. À ce moment-là, on donnerait 15 dollars, mais pas pour des pirates. On parle d'Apple. C'est mignon, Apple Picking. Petit clin d'œil. And we will both be notified anytime either of us adds photos and videos. This is a core part of the Google Photos mission. We want to make it easy for you to hold on to the memories that matter, even when you weren't the one holding on to the camera. Now, I know my mom would love to see these photos of her grandkids too. So let me go ahead and send her the link. This time, I'll pop in an inbox. I'll pick a draft I already have ready, paste the link, and then we'll go ahead and tap send. If we go onto this side now, you're looking at on pourra partager un album, en tout cas alimenter un album photo à plusieurs personnes, ce qui est plutôt sympa quand on est plusieurs à assister. Comme sur iCloud. On peut dire par exemple vacances été, on était tous en famille en vacances. On peut le faire sur iCloud. Oui, exactement. C'est vrai. Oui, on peut le faire. Je ne suis pas un expert. On ne pouvait pas le faire sur Google Photos. Non, ça peut être sympa. Par exemple, on part tous en famille en vacances au même moment, à un moment d'été. Bah, on regroupe toutes les photos que tout le monde a prises. Ça peut être sympa. Ou un mariage, ou un événement familial. Mais comme dit Jérôme, là, pour le coup, c'est vrai. Ça se fait déjà. Apple le faisait déjà. En fait, il y a tellement de fonctionnalités sur tous ces services qu'il est difficile de tous les connaître par cœur. Malcolm est tout le temps d'accord avec toi. Hein. Sur la musique légale, il est d'accord avec toi. Mais oui, sur la simplicité d'Android par rapport à iOS. C'est bien, Malcolm. So, it just so happens that a few days after, on parlait tout à l'heure de stockage. C'est Nicolas qui nous dit, pour répondre à la question de stockage, j'aime jouer sur mon iPhone et j'ai des jeux lourds dont je ne peux jouer faute d'espace. Et oui. Et là, comment tu fais quand tu veux jouer avec un... On te pose la question, Jérôme. Comment on fait ? Là, t'es un peu embêté. Tu effaces quelques photos. Hey, voilà. Donc c'est ça. Tu effaces quelques vidéos de chats. Voilà. Mais alors, donc voilà. Donc, soit tu tues quelques chats, attends, soit tu joues. Sachant déjà que 16 gigas de mémoire interne sur la plupart des smartphones sous Android, il reste déjà 12. En moyenne, entre 11 et 12. Oui, 4 gigas d'OS. Quoi. FIFA, c'est 1 giga 2. C'est ça. Ça va vite, hein. Les jeux un peu léchés graphiquement, ça va très vite. Mais quand on pense à la plus grosse arnaque, quand même, c'était Apple avec l'iPhone 5C qui était à 8 gigas, les amis. Ouais. L'iPhone 5C d'entrée de gamme, qui est sorti du catalogue, était à 8 gigas. C'est-à-dire qu'en fait, il ne vous restait que 4 gigas de stockage. Ouais. Pierre en a un. Pierre Thieulin en a un de 8 gigas. D'ailleurs, il ne peut pas nous prendre en photo parce qu'il n'a plus de place sur son iPhone 5C. Depuis 2013, il a plus de place. En revanche, il a beaucoup de photos de chats. Parce qu'il adore ça. Mais il a quand même fait de la place pour l'appli 01net. Ah oui, ah ouais. Oui. Bah, il a enlevé. Je dirais pas l'appli. Il a enlevé l'appli SMS. Voilà, il ne peut plus recevoir de SMS en fait. C'était l'un ou l'autre, j'ai fait un choix. Bon, ouais. C'est bien, Pierre, il est corporate. Tiens, puisqu'on parle de l'appli 01net, n'hésitez pas à la télécharger. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est aussi un bon moyen de regarder toutes les vidéos. Elle a été mise à jour récemment, en plus, elle est vraiment jolie et très belle. iOS, Android aussi. Android aussi. Mise à jour. Et donc vous pouvez évidemment avoir tout le fil de l'actualité de 01net.com, mais aussi toutes les vidéos de 01net TV, les amis. Toutes. Toutes, sans exception, toutes. Oh, c'est fort, la technologie. Même des vidéos de chats. Non, il n'y a pas de vidéo. On n'en fait pas assez d'ailleurs. Ouais, je pense qu'il faudrait qu'on achète un chat. Mais oui, c'est une bonne idée ça. Oui, on pourrait la mascotte de 01net TV. Ouais. Envoyez-nous vos chats. Ouais. Par Colissimo à l'adresse suivante. Non. T'imagines, tu reçois des chats morts dans une boîte. Quelle horreur. Non, vivant, pardon, s'il vous plaît. Oui, vivant, c'est mieux. This feature will be available on Android this week and is coming very soon to web and iOS. Finally, let's talk about those times when you want to share photos and videos. Moi qui fais très attention à la qualité de son, il y a Zaptecto qui lui dit dommage qu'ils n'aient pas parlé du son HD avec Google Play Music. Voilà, encore un grand de la musique qui, voilà, pour l'instant laisse de côté le son HD. C'est vrai.
un peu aussi. Je n'ai pas sur ce sujet. Je ne sais pas si on peut choisir la qualité d'écoute sur Google Play Music. Je n'en sers pas assez. Est-ce que comme dans Spotify, il y a plusieurs qualités, Florian, je pense que tu étais abonné à un moment. Est-ce qu'on peut choisir la qualité du son ou pas dans Google Play Music? Alors, il me dit non. And on this side, we have a TV connected to Cast. On va peut-être vérifier. The Photos app has detected that a Cast device is nearby. So we'll just tap the button, select the device. En tout cas, ils sont contents de leur appli photo. Hein, ils nous en mettent partout, là. Hein. When I tap into a photo, it immediately shows up on the TV. I can swipe through my photos and videos, and they will automatically update. Là, il explique qu'on pourra envoyer les photos de skate sur sa télé. Oui, via le Chromecast. Ouais. Et au fur et à mesure que tu prends des photos, elles s'affichent tout de suite à la télé. Donc ça permet, ça sert à quoi C'est-à-dire, tu prends une photo. Even though I'm navigating my library. Unlike mirroring, this lets me control which photos and videos I cast. Donc, oui, c'est ça. Au fur et à mesure que tu prends les photos, elles s'affichent sur l'écran de télé. Bon, à quoi ça sert? Bah, pas grand-chose. Ouais, bah, sauf si on est un anniversaire et qu'on a la photo. Oui, ça peut être sympa, oui, voilà. Voilà. Mais pourquoi on ne pouvait pas le faire avant? Ça, je comprends pas. Si, là, c'est automatique. Ah oui, d'accord, c'est automatique. Tu ouvres le flux et puis chaque fois que tu prends une photo, tac, tac, ça part sur l'écran. D'accord, ok, ouais. Google Photos account. They're purely local to the device, but I can still cast them. Et donc oui, on peut choisir la qualité. Il y a trois niveaux, faible, moyenne, élevée, sur Google Play Music. Ah, sur Google Play Music, il y a trois. D'accord, c'est comme Spotify, donc on peut choisir la qualité de son stream. Franchement, Florian Beaufreton, attention. Dans paramètres. Pourquoi tu le grondes? Bah parce qu'il m'a dit l'inverse, mais c'est pas grave. Dans paramètres, il y a qualité sur les réseaux mobiles. Voilà. Thank you, Neil. Let's continue. Ah, ils vont parler de TV. We introduced Chromecast in July of 2013 based on the simple premise that the smartphone, powerful and familiar, is increasingly at the center of how we manage our lives, including accessing TV shows, movies, music. Bon, il y a Nicolas qui nous pose une question, Jérôme. Il veut savoir si on a les nouveaux iPhones. Et qu'est-ce que change de 3D Touch? Bah, oui, mais c'est pas vraiment le sujet de ce soir. Je pense que dans l'immédiat, j'inviterai Nicolas à aller revoir notre 01 Live spécial iPhone de jeudi dernier. Et pour répondre à ta question, oui, nous avons les nouveaux iPhones. Et moi, pour l'instant, je reste un petit peu sur ma faim avec le 3D Touch, mais ce n'est que le début. Il faut que les développeurs peut-être s'y mettent, mais pour l'instant, je n'ai pas encore le réflexe d'appuyer un petit peu fort. Je ne sais pas si tu t'en sers pour l'instant. Moi, je suis désolé, mais moi, je m'en sers. Mais bon, vous connaissez François Sorel, il faut toujours un certain délai hein, pour l'adoption des nouvelles technologies. Hein. Ouais, mais je représente la plupart des utilisateurs. Tu représentes une frange de la population non négligeable. Tu représentes l'élite, c'est sûr. Les geeks. Voilà. Non, c'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est une question de réflexe. On n'a pas le réflexe. On a tellement les anciens réflexes. Ouvrir le mail en entier pour le transférer, pour le machin, pour le truc. Mais je pense alors qu'il faut prendre l'habitude beaucoup plus vite aujourd'hui. Rappelle-toi quand le souris avait un seul bouton. On n'avait pas l'habitude de ce clic droit. Exactement. T'as raison. Je trouve que le... Bon, c'est pas le sujet encore une fois, mais peut-être le souci de 3D Touch, c'est qu'on ne sait pas quand il est accessible. Oui, c'est vrai. Puisque sur certaines applis liées, peut-être un petit gimmick graphique. Je sais pas, moi j'ai un vieil iPhone donc qui a pas le. Ouais. Enfin, c'est non, j'ai pas 3D Touch. Mais peut-être un petit truc, un petit gimmick moi, j'aimerais pouvoir le graphique. J'aimerais pouvoir le paramétrer moi-même, le 3D Touch. C'est-à-dire que je veux que, par exemple, pour l'icône Twitter, quand j'appuie sur l'écran, il me propose ça, ça et ça, et pas seulement les choix par défaut, c'est-à-dire en l'occurrence, nouveau message, nouveau truc que rechercher. Bah, oui, et puis tu as raison, paramétrer. C'est pas tellement par dans paramétrer le 3D Touch. Mais paramétrer pour tomber directement sur les paramètres en appuyant sur l'écran, si tu veux. C'est pas tellement dans la philosophie d'Apple, hein, donner accès à ce type de personnalisation. Ouais, c'est dommage, d'ailleurs. C'est sûr. Allez, Google. For example, with the recently added, with the recently launched NFL Google va étendre Chromecast au-delà de la télé vers des haut-parleurs. Oui, donc c'est des rumeurs qui faisaient état d'un Chromecast dédié à l'audio. Ouais.
C'est vrai que ça manque. Ça manque. En début de live, c'est vrai que ça fait partie des annonces qu'on attend pour être dévoilé ce soir. Une façon simple de diffuser de l'audio via le réseau Wi-Fi de la maison. Parce qu'aujourd'hui, il y a AirPlay quand même qui fonctionne très très bien du côté d'Apple, ouais. AirPlay audio. Du côté de Google, il n'y a pas d'équivalent, c'est vrai. Ça dit écouter de la musique sur sa télé via AirPlay, non, il faut avoir des enceintes AirPlay. C'est ça qui est intéressant. Et il n'y en a pas énormément sur le marché. Ou un ampli. Je n'ai pas manqué de le signaler tous ces derniers mois d'ailleurs, qu'il n'y avait pas beaucoup d'enceintes AirPlay compatibles. Mais si la télé est connectée à un système audio de qualité, c'est... Tu envoies la musique de ton smartphone vers la télé qui l'envoie vers des enceintes, c'est un peu l'usine à gaz quand même. Why not? Moi j'ai un ampli. Moi j'en ai marre des trucs compliqués. Cinéma, vidéo quoi. Donc tout le son passe par l'ampli avant d'aller à la télé. Tu vas avoir un super bon son parce qu'après tu restitues sur tout ton système. Ah ouais, c'est top. Après il y a une technique avec la Freebox qui est compatible AirPlay. Sur le Freebox serveur, donc le routeur, on peut plugger des enceintes directement avec un jack derrière la box. Et donc. C'est pas mal. Ouais, sortir du son sur des enceintes. C'est très bien. Le new Chromecast. Allez. Oui, il y avait un truc qui m'énerve. Voilà. Le Chromecast vendu dans le monde. Un truc qui m'énerve avec l'ancien Chromecast, c'est qu'il est plafonne à 720p. Et bien, voilà. Donc, sera-t-il compatible 1080? Alors, 1080. Oh, il est souple. Il n'a pas du tout la même. Mesdames et messieurs, le nouveau Chromecast est mou. Ouh, il est plusieurs couleurs. Il est sympa. Pourquoi il y a plusieurs couleurs alors qu'il est toujours derrière la télé? Ça ne sert à rien. Non, pas forcément si tu utilises la prise HDMI qui est devant. Alors, comment fonctionne j'ai plus de prise HDMI disponible derrière. Donc, comment il fonctionne hein. Parce qu'il y a une prise USB, mais c'est tout pas évident. USB? Comment ça, USB? Non, pas USB. Si, il y a une prise USB. Je pense que la prise USB, c'est pour l'alimenter. Oui. Ah oui, oui, oui. Alors, ça, c'est un Chromecast audio, apparemment. Ah, c'est le Chromecast audio, d'accord, ok. Merci, Christopher. Heureusement que Christopher suit, parce que nous, on est en train peut-être de présenter un nouveau smartphone. Ah non, alors attendez, non, mais je dis n'importe quoi. Alors, attendez, plus, si attendez, c'est attendez. Alors, je me suis trompé. Non, c'est bien de l'HDMI, j'ai dit n'importe quoi. Donc, compatible Wi-Fi AC. Donc, Wi-Fi AC qui permet donc des débits plus élevés, un stream plus, on va dire, stable. Pour la vidéo, c'est important. Donc ça, c'est on va dire le Chromecast traditionnel. Voilà, la nouvelle version du Chromecast traditionnel. Voilà, il y a deux antennes. Il change de design et je pense qu'il sera beaucoup plus... Il y a deux antennes. Oui, c'est génial. Il sera beaucoup plus simple. C'est pour détecter, c'est pour basculer automatiquement du Wi-Fi AC au Wi-Fi classique, on va dire, en fonction de la meilleure qualité et réception disponible. Il sera beaucoup plus simple à installer. C'est important de noter, parce qu'avec un câble souple, en fonction des différents types de télé, en fonction de si la télé est collée au mur, pas collée au mur, sur un meuble, etc. C'est pas mal ça déjà, d'avoir prévu ça. Le Chromecast can sustain the flow of more data, which means higher quality video and audio, less buffering and a superior experience. Il y a un truc qui m'énerve aussi, alors je rentre dans ma vie un peu privée. Hein. Oula. Mais le Chromecast que j'ai est tout le temps allumé. Je ne sais pas si ça vous le fait, vous, moi il est derrière ma télé, mais il y a une petite LED qui est tout le temps allumée. Ah oui. Et donc ça irradie la pièce. Et enfin, en même temps, c'est pas... Ouais, mais ça me stresse. Ah oui. Ah ouais, ça me stresse. Chromecast audio, ça me stresse. Chromecast audio is a small device that plugs into an existing home speaker. Qui se branche sur une enceinte directement cette fois. En fait, on se rend compte qu'on était au courant de toutes ces annonces. Donc le Chromecast audio est équipé d'un jack, Chromecast normal HDMI, Chromecast audio, un petit jack classique et qu'on connecte une entrée auxiliaire d'une chaîne Hi-Fi par exemple ou à des enceintes. Ça existe déjà tous ces trucs-là les amis, non ? Quoique non, c'est plutôt des dongles Bluetooth. Là on est C'est top, ça va simplifier les installations de beaucoup, beaucoup de monde, hein, je trouve. Ouais, mais il faut avoir une box à la maison pour que ça fonctionne. Ah, le Chromecast audio ? Oui. Je pense. Oui, ça passe par le réseau Wi-Fi, c'est pas du Bluetooth. De la maison. Non, c'est pas du Bluetooth, mais c'est quand même... Ah oui, c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a c'est peut-être le multi-room, en fait. C'est un peu le multi-room. Peut-être que Google va le préciser, mais peut-être qu'il y a un mode ad hoc, point à point. Peut-être qu'on peut appairer directement son smartphone à cette clé, directement. Sans passer par le réseau Wi-Fi de la maison. Ce qui serait bien d'ailleurs.
Donc là, si j'ai bien compris, c'est la mort des enceintes Bluetooth. Ça n'a plus d'intérêt d'acheter une enceinte Bluetooth. Non. Vous achetez n'importe quelle enceinte. Non, je suis pas d'accord. Vous sortez votre vieille chaîne Wi-Fi pour voir le bien connecté. Non, parce que là, il faut connecter ta box. L'enceinte Bluetooth, c'est génial. Non, non, il a. Attends, c'est pas sûr. J'ai l'impression, si c'est du Chromecast. Bon, il faudra qu'on creuse un peu là-dessus. C'est vrai qu'on n'a pas la. Mais en tout cas, passe rapidement quand même. Hein. On passe rapidement sur ce sujet. You don't know where to find it. So today, we're excited to announce a completely redesigned Chromecast. Après, le Bluetooth, ok, c'est bien. La qualité audio s'est vraiment améliorée, mais il y a toujours cette phase de paramétrage qui est un peu compliquée, quoi. Le Bluetooth, ouais. Je trouve que le gros défaut du Bluetooth, c'est qu'on ne puisse pas le déconnecter depuis le device qui émet. Alors ça arrive. Ça arrive avec les nouvelles générations de Bluetooth. C'est-à-dire que tu as pair un casque avec ta tablette, et puis une demi-heure après, tu veux te servir de ton smartphone. Ouais, s'il est appairé avec la tablette, ce n'est pas possible. Il faut que tu te désappaires. Ouais, exactement. Il faut couper le Bluetooth sur la tablette pour pouvoir l'utiliser. Ça, c'est insupportable. Oui, mais ça va changer. Parce ça arrive toujours quand tu es couché, en plus. Voilà. C'est quand même dans le lit qu'on utilise le plus le Bluetooth. Toi, visiblement. Mais et ça va changer tout ça, parce qu'en fait, on pourra comme ça déconnecter des appareils qui sont sur le même appareil. Surtout, la portée du Wi-Fi est beaucoup plus importante que le Bluetooth. À partir du moment où on est connecté au réseau de la maison, ouais, mais, qu'on soit... Ouais, mais c'est plus aléatoire, parce que le Wi-Fi... C'est pas dit. Je trouve que le Bluetooth a un petit côté aléatoire assez énervant, d'ailleurs. Bah, le Bluetooth, tu changes de pièce, ça marche plus. Ouais, mais le Wi-Fi, t'as ton voisin qui met en route le micro-ondes, ça marche plus non plus. Il y a des perturbations. Ça dépend de la... Tout de suite, là. Oui, non, mais moi, je vis une tragédie. T'as un voisin qui a un micro-ondes. Je sais pas ce qu'il a, mon voisin, mais s'il pouvait arrêter de perturber mon Wi-Fi, ça m'arrangerait. En fait, il travaille chez Thales. Il brouille. Il brouille. Exactement. En fait, il brouille tout. Ouais, tout à fait. Donc là, c'est quoi? Petit test de qualité. Non, il y a des nouveaux contenus associés à Chromecast. Une nouvelle application qui donne accès à de nouveaux contenus. C'est vrai que ça concerne les Américains. Ouais, mais aujourd'hui, Chromecast, on était un peu cantonné à ce qu'il y avait sur le smartphone. Hein. Cela dit, là, il y a Netflix et YouTube en exemple à droite. Donc, Bon, YouTube fonctionnait déjà avec Netflix aussi. Je vous rappelle que si tout va bien, vous pourrez voir tous ces produits et bien dans les heures qui viennent et sans doute demain matin, puisque nous avons Bruno Cormier et Jean-David Duarte qui sont à Londres pour vivre le même événement que nous vivons actuellement, sauf que eux auront accès juste après à la démo des produits. Donc on pourra voir toutes ces nouveautés demain matin sur ZeroNet TV. Pas mal. Cool. Et puis bien sûr le replay de cette keynote que vous pourrez retrouver dès la fin. En fait. So for example, I had heard the X-Files is coming back to network television, so I want to catch up on the old episodes, but I didn't know where to do it. So now I can type in X-Files, or since I'm using my phone, I can just use voice search. X-Files. So you'll see X-Files returns to TV shows and movies. Let's go ahead and pick the TV show. Là encore, hein, visiblement, c'est comme Siri, c'est-à-dire que Siri maintenant avec Apple TV, via la télécommande, comprend ce qu'on dit et nous apporte du contenu qu'on a demandé de manière orale. Hein, et là, visiblement, on a la même chose avec Google. And we'll be continuously adding more over time. Mais cela dit, ça existait avec Google. Vous pouvez parler à la télécommande pour avoir du contenu qui s'affiche, oui, non? Movie clips. Toute la question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? À quel service ça fait appel? Est-ce qu'il y a des accords qui ont été passés? Est-ce que tout est réellement accessible ou bien c'est très limité? Si c'est juste aller chercher une vidéo sur YouTube, là, apparemment, ça va un peu plus loin quand même. Et puis le gros point fort de ce produit, c'est que c'est pas cher du tout. Non, c'est ça. Et j'espère, on n'a pas les prix, mais j'espère que Google va rester dans les mêmes eaux. Bien sûr. 35 euros pour le premier Chromecast. Quand on voit tous les petits trucs un peu sympas auxquels ça donnait accès, c'est génial. Ouais, c'est on n'hésite pas une seule seconde. Clairement. Il y avait même des promos où on touchait à $20. Mais oui, oui. Vu sur j'espère Amazon. Que Google va rester dans les mêmes tarifs. Il n'y a pas eu de prix. Pas de prix encore pour Chromecast. Apps and content on Chromecast the moment you open the app on your phone.
Chromecast sera plus facilement accessible dès qu'on lance une app. Ça aussi, c'est un peu le point faible de Chromecast, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'applis qui permettaient de streamer du contenu. Et puis c'était lent, enfin c'est lent. Moi, chez moi, je ne sais pas vous, mais quand je regarde un contenu Netflix sur mon Chromecast, vous appuyez sur le bouton. Le buffering. C'est du buffering, il se connecte. Enfin bon, il y a au moins 10-15 secondes. Quoi. Alors, c'est la mer à boire, mais aujourd'hui, on veut toujours tout plus vite. C'est vrai que s'ils peuvent accélérer le transfert de l'image du smartphone à la télé, ça serait pas mal. Ça va faire bientôt une heure de keynote. Pour l'instant, tout ce qui était pressenti a été annoncé. Ouais. Exactement. D'ailleurs, peut-être la tablette Pixel C, pour l'instant. Un rappel rapide. Ah oui, c'est pas du tout la même chose. Les démos, bon, elle ne va rien dire cette démo. On se les dit entre nous. Oui. Ouais, les démos Chromecast. Allez, dans deux minutes, on vous fait un petit roundup. Roundup à 19h. Synthétique à 19h. Ouais. Si vous avez raté le début, vous saurez tout. Après, l'interrogation, combien de temps va durer cette keynote? Parce que là, on a une heure et quart. Ah, tu as les infos. Et oui, moi j'ai tout. Il est trop fort. C'est ça, Christopher. 6 mois avant qu'Android Wear soit compatible. C'est d'où l'annonce. Allez, on va encore en parler. Non, mais c'est vrai. 6 mois avant, les amis. Là, il nous a annoncé il y a quelques jours de cela qu'il y aurait un iPhone 7. Ouais. Dire, c'est un peu une exclu. Ouais, je veux dire, c'est une exclu mondiale. Ouais. Hein. Ouais, bon, je suis pas si. Enfin, je vous ai dit à prendre quand même avec des pincettes. Hein, moi, c'est mes sources, bon, je les protège, etc. Mais... Avec des iPhone pincettes, d'ailleurs. One screen plays locally on the phone. The other screen is then sent to Chromecast. C'est moyen. So effectively, the entire experience is being driven by your powerful phone. On parle de jeux vidéo. Oui, des nouvelles interactions qui n'existaient pas avant. On pourra utiliser son smartphone comme manette et diffuser l'image sur la télé. C'est bien. C'est pratique. Mais Apple l'a présenté sur Apple TV il y a quelques semaines. Non. Ah bon? Ah ouais, c'est un jeu iPhone qui apparaît sur un Chromecast. Ouais. Arrête. Bah écoute, c'est ce qu'il vient de dire. Game developers can take full advantage of the capabilities of the phone. C'est pas mal, hein. Whether it be accelerometer, gyroscope, touch, even a camera. Mais est-ce qu'il faut que le jeu soit compatible ou est-ce que ça marchera avec tous les jeux? Now, Angry Birds Go also supports a multiplayer mode. And it's really simple to set up because as long as your friend has a phone, they have their own game controller with them. Now, this is one of several games we're releasing over the next few months. Oui. Ce qui signifie qu'on pourrait utiliser les Chromecast avec un iPhone. Oui. J'ai peur de me tromper, mais oui. Bien sûr. Si. Moi, j'utilise. Ça fonctionnait avant déjà? Ah oui, non, mais moi, chez moi, avec mon iPhone et l'appli Netflix, je pilotais mon Chromecast. Ouais, ça dépend des applis. Pas tous les okay. Ouais, alors il y a peut-être un petit peu plus d'applis sur Android, mais la plupart, YouTube, Netflix, Canal. Canal Plus a son appli Chromecast sur iPhone qui marche très bien. Enfin, qui marche très bien. La qualité du streaming, d'ailleurs, si quelqu'un de Canal Plus nous écoute, c'est vachement compressé. Ah bon, c'est top. Il y a Spix sur via le mobile. Canal Plus à la demande, mais sur mon iPhone, que j'envoie sur Chromecast. Dites les experts Chromecast, il y a Spix qui nous dit le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de mirroring sur Chromecast. On ne peut pas afficher. Oui, c'est vrai. C'est un avantage de AirPlay vidéo pour l'instant sur Chromecast. AirPlay vidéo, tu peux afficher. Attendez, j'ai pas compris là, les amis. On peut utiliser sa télé comme écran. Alors attendez, 35$ Bravo, donc, le Chromecast vidéo. Allez, vous en mettez 3. 17 pays quand? On n'a pas la date. Bon, 17 pays, on imagine. $35. Bravo Google. Attendez, $35, ça fait combien en euros? 80. 5 euros. Ben voilà, attendez. Non, mais franchement, ce sera 35 euros. Si on est cohérent, ils vont garder le même prix. Ouais. Google, ils sont pas trop comme bon, ça. Hein. J'espère. Apple, ouais, c'est leur spécialité. Ils ont des petites tables de conversion qui nous sortent là de on ne sait pas trop d'où. La table de conversion Tim Cook. Ouais, c'est ça. Donc, Chromecast Audio, combien? Pandora, iHeartRadio, TuneIn et more. For now, let's open up Google Play Music, which is the app I use for my daily listening. So you'll see I'm already logged in. Donc là, c'est l'interface de Google Play Music pour tous ceux qui ne connaîtraient pas. So we just simply press the cast button,
Oui, donc on parlait de mirroring, c'est-à-dire de pouvoir utiliser son application complète de comme second écran de son Mac, oui, par exemple, ou même de soit extension, soit duplication. Excusez-moi, les amis, je vous coupe parce que là, ce qu'il est en train de montrer, le monsieur, là, avec son bracelet qui pendouille un peu trop, à mon goût. Hein. Ah, moi, j'aime bien. Il pendouille un peu. Bon, c'est pas le sujet. Mais non. C'est que en fait, vous allez pouvoir, comme avec Sonos, écouter une chanson et choisir le haut-parleur de destination si vous avez plusieurs podcasts. Mais faut avoir, c'est voilà. Ce que je disais tout à l'heure. C'est du multi-room. C'est du multi-room à 35 euros. Sonos, à 35 euros par enceinte. Par enceinte. Oui. Par enceinte. C'est-à-dire qu'il faut acheter 35 euros ce truc-là, plus l'enceinte. Non, mais il faut acheter autant de Chromecast audio qu'on a d'enceinte. Oui. Mais bon, quand on voit qu'un solo, ça coûte 3,99 ou... Il faut voir la qualité audio après. Hein. Après, il y a peut-être des limites dans la... Si tu as une bonne enceinte non connectée... C'est-à-dire que là, c'est bien pour faire de la récup, si tu veux. Si par exemple, tu as une vieille enceinte qui ne te sert plus à rien, oui, c'est ça, tu peux la brancher et faire... Qu'elle soit amplifiée, ou alors il faut qu'il y ait un ampli. Tu peux Non, mais... Je pense qu'il faut qu'elle soit amplifiée, parce que c'est un jack. Il n'y a pas de préampli dans le Chromecast audio. Ça m'étonne. Sinon, ce serait, on y connecterait directement les canaux droit et gauche de l'enceinte. Et oui. Là, via un jack, ça m'étonne. De toute façon, il n'y a pas d'enceinte. Les enceintes n'ont pas d'entrée mini jack. C'est que les enceintes amplifiées. Il y a des enceintes amplifiées qui les ont. Ouais. C'est une entrée ligne, en fait. Il n'y a pas donné le prix. Non, pas encore. Logiquement, ça devrait quand même être un peu moins cher que le Chromecast vidéo. Il y a Antoine qui nous dit si, il y a du mirroring sur Chromecast. Tadam. Oui, mais pas sur... Ah bon? Peut-être dans certaines circonstances. Alors Hugo qui répond à ce que je disais, les replays de Canal+ sont seulement en SD. Mais alors c'est pas trop la SD, moi. C'est vrai qu'on peut caster l'écran du smartphone. Oui, oui, c'est rappelle vrai, Florian. C'est vrai, c'est vrai. Mais là on parlait surtout du mirroring pour des OS PC, quoi. Enfin, genre ouais. macOS. Ouais, ouais, c'est ça. Là, c'est que depuis un smartphone Android. C'est rigolo parce que, à un moment où on parlait, on avait trois conversations différentes. Oui, c'est ça qui est sympa. C'est ça qui est génial, c'est-à-dire que au-delà de la stéréo. On peut s'adresser. C'est le 3 détails. Voilà, trois personnes différentes. On a trois sujets différents. Chacun pour moi, je parle de Canal+ sur Chromecast. 32 gigas français. Mais nous, on parlait d'autre chose. Voilà. Avec deux conversations. C'est ça, c'est plus la keynote. C'est génial. Attendez. Ouais, en bleu et rose, je crois. And she can do this all from the Spotify app. Donc Spotify. She shouldn't have to learn a new app just because she wants to listen to music. Spotify arrive sur Chromecast. Mais alors, de quelle manière? Ouais. De quelle manière? Bah, c'est-à-dire qu'on pourra streamer la musique de Spotify sur les enceintes. C'était pas le cas avant. Non, mais parce que Chromecast Audio n'existait pas. Non, mais même avec un Chromecast normal, Deezer était compatible Chromecast, pas Spotify. Pas Spotify. Non, j'ai révisé mon Chromecast avant de venir là. Mais alors, ça veut dire que l'utilisation de Chromecast Audio dépend des développeurs, ce qui est dommage aussi. Peut-être il devrait bien entendu. Alors oui, que AirPlay Audio, en gros, ils ne posent pas la question. Ils prennent le flux de externe de l'iPhone. Now we're going to continue to bring more and more apps to Chromecast Audio, but until then, we want to make it easy for you to send any audio to your speaker. So just like Chromecast, we're going to support the ability. Et ça supporte les entrées optiques, ça c'est hyper bien, ouais. Ça garantit du coup du son de très très haute qualité. We're also excited to announce that Chromecast Audio will support multi-room synchronization. This means I can play the same song across multiple speakers that have a Chromecast Audio in them. Donc il est en train d'expliquer qu'on peut utiliser on peut écouter le même morceau sur toutes les enceintes en même temps de la maison qui sont équipées d'un Chromecast audio. C'est top. We're going to price it in the US for just $35. That's cheaper than a basic set of 35 dollars. Donc la même chose que pour le Chromecast vidéo. C'est un bon prix. Oui. Ça aurait été bien qu'il soit un petit peu moins cher parce qu'il n'y a que l'audio. La petite compatibilité entrée optique, oui. Ça justifie oui. quand même. Oui, parce que là, ça veut dire qu'on a vraiment du son. Voilà, exactement. Ouais, mais enfin après, si on veut jouer les puristes, ok, tu rentres en optique, mais tu sors en mini jack. Non, mais par exemple, non, mais c'est débile. Ouais. Rentrer en mini jack, c'est débile. Tu vois. Ah oui, c'est la sortie qui est optique. Oui, c'est la sortie qui est optique. Bien sûr. Donc le son arrive. Nickel, quoi. Numérique, sans déformation, sans traitement, c'est bien. Oui, enfin, sauf la compression au passage. Oui, mais ça, quand même, ça élimine une étape de perturbation. T'as pas de perturbation analogique, c'est ça. Ouais, pas de parasites, de choses comme ça. Tu sais, ça rajoute du bruit.
Ben, moi, j'ai envie d'essayer tout ça. Hein. Ouais. Je sais pas vous, mais... Oui, 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 ça donne envie, en effet. Alors, qu'est-ce qu'il va nous vendre, Andrew Bowers et Wilkins? Andrew Bowers et Wilkins. Ah, on va parler de tablettes. Sinon, ils respectent exactement le programme des rumeurs. Hein. Alors là, vraiment, on dirait qu'ils se calquent d'ailleurs aux rumeurs, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, on a eu deux nouveaux smartphones, le Nexus 6P et le 5X, respectivement 5,7 et 5,2 pouces. On a eu quelques nouveautés liées à Android Marshmallow, au niveau de l'interface, de la gestuelle, etc. Des nouveautés côté Google Play Music, et notamment un prix qui est plutôt attractif, $14.99 pour 6 membres d'une même famille. C'est très compétitif, c'est, ça s'aligne sur ce que propose Apple. Oui, et c'est deux fois moins cher que Spotify. Et deux fois moins cher que Spotify. Des nouveautés concernant Google Photos aussi, on y reviendra peut-être un peu plus dans le détail tout à l'heure. Et puis là, on est dans les, on vient de passer les Chromecast. Donc un Chromecast TV tout nouveau, nouveau look, $35. Et un Chromecast Audio, $35 également, qui supporte le multi-room. Pas mal. Ouais. Voilà pour les annonces à ce stade à 19h10. Ça fait mieux, 1h10. Sono, c'est tous les concepts de multi-room qui sont prêts un petit coup dans l'aile quand même, là, je trouve. Enfin, n'oublions pas quand même que les Sonos et autres, comme tu dis, ils ont souvent l'avantage de la simplicité. C'est ouais, plug là, and play. Mais là, ça là, oui, là c'est simple aussi. C'est sur le papier. Chromecast et même. Alors là, il y a un nouveau produit, hein, du côté de Google. L'iPad Pro. Oh non. Non, Bower, ne nous fais pas ça. Une tablette. Allez. A new device running Android 6.0 Marshmallow. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, c'est un convertible. Un convertible sous Android, non pas Chrome, non pas Chrome OS, mais bien Android. On dirait que c'est du vrai Android, Android M. C'est plutôt joli, ça ressemble, un peu à une Surface. Oui. On dirait un petit donc, écran et clavier détachable, qu'on peut séparer. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une prise USB type C, c'est Chrome OS. C'est Chrome OS, c'est tout, ça a clairement un look de, d'Android. Petit, hein. C'est vraiment petit, ça fait quoi, 10 pouces, ça, même pas, même pas. On va faire quoi, 9 pouces. Pas mal, tout est aimanté, ça se... ça se positionne assez facilement, ça a l'air assez ingénieux. Donc, ce serait bien Chrome OS. Chrome OS alors, pas Android, Jérôme. Jérôme, il regarde la télé là. Alors, Android ou Chrome OS? Pas mal. Clavier magnétique qui tient en place quand on le balade comme ça. Now the Pixel C size is designed for usability of the keyboard without sacrificing its usability as a tablet. The screen size is 10.2 inches. C'est joli. With a square root of 2. On ne sait pas si la Chromecast TV est compatible Full HD. Hein. Ratio that's used by A-series paper, ça n'a pas été dit. Hein. Pas été annoncé. C'était une de nos attentes. Je vois pas, comment on pourrait passer à côté du Full HD alors qu'on parle déjà de 4K. C'est, à mon avis, c'est la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça serait compatible 4K, 4K. À mon avis, Full HD 1080p, oui, mais 4K, c'est la question qu'on peut se poser. Donc, fonctionne sous Android et non pas sous Chrome OS. Ah, encore une fois, troisième fois. Moi, je trouve ça plutôt bien. Oui. Parce que Chrome OS, il faut que ça cartonne aux États-Unis. Chrome OS est très estampillé éducation dans l'entreprise. Ça n'a pas du tout pris en France. Là, et puis il y a être le roi du cloud comme Jérôme. Pour bosser, il y a quand même beaucoup d'applis maintenant hein, sur l'App Store, enfin sur le Play Store pardon de Google. C'est ce que nous dit Zaptechno tout à l'heure. Tiens, ben voilà, concernant le Chromecast Audio, je peux transformer maintenant mes anciennes enceintes en enceintes connectées pour 35 euros. À condition que ce soit des enceintes amplifiées ou bien qu'il ait un ampli. Exactement. Oui. Un petit préampli. Un petit préampli, ça coûte. Au fond de ta cave qui traîne. Ah ben tu branches. Au fond de ma cave, il suffit d'avoir une entrée. Avoir, ouais. Il suffit d'avoir une entrée auxiliaire. Ou bien il existe des petits préamplis qu'on peut acheter qui coûtent pas très cher. Voilà, il n'a pas besoin d'une puissance. Tout ça, malade. Ça fait bien rigoler les vrais amateurs de Wi-Fi. Hein. Oui, bah, c'est sûr. Après. Excusez-moi. Oui, mais les amateurs de Wi-Fi, ils n'ont pas de sans fil hein, déjà. Ça commence non, par là. Pas de sans fil. C'est du filaire, du câble blindé. Donc, c'est un autre monde. Le MP3, ils ne savent même pas que ça existe. Enfin, ils ont vaguement entendu parler, mais ça n'a pas franchi la porte de leur maison. Voilà.
Ils ont bien dit Full HD. Voilà, c'est alors, ce que nous dit NIPFI. Ils ont bien dit Full HD. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc le clavier du Pixel C est rechargé par la tablette lorsque le clavier est refermé. On parle de la batterie. Hein, d'accord. Ça a l'air d'être un joli produit. Hein. Ouais, tout à fait. Déjà, le Pixel, c'était un beau Chromebook. Hein. C'était vraiment joli. On l'a d'ailleurs à la rédaction. C'était un bel appareil. Il coûte un bras d'ailleurs, non ? Il coûte très cher. Ouh, très très bel écran. 2560 par 1800 pixels. C'est vraiment pas mal. Bon, combien va être vendu ce petit truc là ? Avec une dalle sRGB. Donc plutôt une dalle très bonne qualité. Alors c'est fou ce boom hein, de l'hybride là, entre Surface, iPad Pro et Google. Non mais c'est-à-dire que là, Google vient chasser sur les terres de Microsoft. Ouais. Parce qu'avec Android, vous pouvez télécharger des suites de travail. Il y a même les petits hybrides comme ça. Il y a même Office, non ? Oui, mais là, c'est sous Android. Hein. Il y a Office sous Android, non ? Oui, oui. Puis, de toute façon, on peut y accéder maintenant via un simple navigateur. Voilà. Office est quand même pas mal modernisé. Of course, the tablet charges with USB-C. Sous Android, ça existait déjà. And one of my favorite features for a quick check of battery life. Oui, c'est vrai, à vue, ça fait des choses, bien sûr, oui, oui, ça existe déjà. Mais peut-être que là, on aura un Android pur, plus agréable à utiliser. Et puis surtout, ça sera la dernière version Marshmallow, donc. Raison, ça existait déjà. The Pixel C will be available in time for the holidays on the Google Store, starting at $499 for the tablet, disponible à Noël. 499 $ pour la version 32 Go, 600 pour la version 64, et le clavier à $149. Ah, c'est quoi ce délire encore, non, mais il nous faut encore le coup de la surface, c'est-à-dire que le clavier est une option. C'est cher quand même, hein. C'est cher, je trouve ça cher aussi. On est, Non mais le clavier à $150. So we hope we've given you a good sense of what's going on today. Mais magnétique, hein. Etc. Ouais, ah ouais, il y a deux aimants, ouais, c'est vrai, ouais, on n'a rien dit. Mais ça fait quand même prix de départ $500 plus 150, voilà, $650 prix de départ, quoi, si on veut le clavier plus la tablette. Ouais. C'est cher. Ah. Et voilà. Ah bah, oula. Eh bien, la demoiselle est restée, bah, mais 4 radical. Secondes, quoi. C'est vrai. Bonjour, je suis là, je vous dis au revoir, c'est terminé. Au revoir. Même pas bisous. Même pas bisous, quoi. Non, mais là, ils doivent se faire des bisous, mais c'est-à-dire que le flux s'est arrêté, en fait. Cela dit, elle avait dû... Enfin, non, je ne pas dans les détails. Voilà. Oula, j'ai failli tomber de ma chaise, dites-nous. On va récapituler ce qui a été annoncé. Une heure et quart hein, de présentation, Google. Franchement, on en a eu un petit peu pour notre argent, quand même, hein, Chris. Ouais, sympas, pas mal de nouveaux produits. Moi, je suis... Jérôme. Finalement, oui, les... Bon. Allez, voilà, bon, il faut bon. Le trouble fait. Non, franchement, non, c'est incroyable, ça. Il y a de la quantité, maintenant. Ça, je veux dire, c'est pas bouleversifiant. Hein. Ah ben, et moi, qu'est-ce qu'il te fallait, une fusée, Google? Oui, c'est ça, pas, tu voulais une fusée. Une montre, une fusée, un train, un robot. Ah, alors qu'Apple sort un bracelet pour sa watch. Mais c'est génial, regardez-moi ce nouveau bracelet, comme il est beau. Il est signé Hermès, il coûte 1 million d'euros, il est superbe. Oh, c'est acheter deux. Ne me faites pas de mauvais procès, de faux procès. Non, en une heure et quart, vu tout ce qui a été annoncé, oui, il y a la quantité. Franchement, les smartphones, c'est pas des produits révolutionnaires, mais les Chromecast, c'est allez, top. C'est ce ça la propose, vraie info du jour. Je vous propose qu'on récapitule tout ce qui a été annoncé. Ouais. On y va. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti, mon kiki. Donc, deux smartphones. Le Nexus 6P, 5,7 pouces. Un écran qui a l'air plutôt sympathique, ouais. Hein, avec des bords très très fins. Donc, on se retrouve avec un téléphone très compact malgré tout, signé malgré un grand écran. USB-C, capteur d'empreinte au dos. Encore plus rapide, il déclenchera en une seconde. Exactement. De 499 à $650 suivant la capacité de stockage. Et il va jusqu'à 128 gigas. Le deuxième smartphone, le petit frère, c'est le Nexus 5X. Il est un petit peu plus petit, 5,2 pouces. C'est quand même grand ça. Hein. On est mais c'est pas mal, pouces, c'est, hein. C'est la taille du Galaxy S6. Ton iPhone 6S Plus fait 5,5 pouces. Ouais, ouais, non, voilà. C'est pas mal. Donc, mais c'est pas, c'est, je trouve que c'est une bonne taille. 5,2 pouces, c'est un bon compromis. C'est l'iPhone 6, c'est le Galaxy S6. C'est une très bonne taille. Voilà, USB-C également. Il ira de $379 à $429. Par contre, il plafonne à 32 gigas. Il y a une version 16, une version 32. Là, un petit carton jaune quand même. Ouais. Mais on voit vraiment que là, il positionne le Nexus 5X comme un produit d'entrée de gamme. C'est ça. Donc le 6P sera fabriqué par Huawei. Huawei.
constructeur chinois. Et là, on reconnaît des éléments de fiche technique des derniers Huawei, lecteur d'empreinte au dos, l'écran sympa, etc. On sent la touch de Huawei sur ce téléphone. Et malgré tout, on sent aussi la touche de LG sur le Nexus 5X. Clairement, le Snapdragon 808, aujourd'hui, c'est les seuls à utiliser cette version un peu bridée du 810 qui posait tant de problèmes. Voilà, qui chauffait beaucoup. Qui avait des performances honorables, en tout cas sur le G4. Voilà, donc sont bardés de capteurs, tous. Oui, appareils photo. Capteurs, nouvel appareil photo. On n'a pas évoqué les appareils photo, mais les appareils photo ont été boostés, visiblement, avec des... Tu appelais ça comment des photosites, voilà, photosites. Un peu plus gros pour capter mieux la lumière, à tester quand on les aura au labo, bien sûr. Bon, nous avons un nouvel Android qui arrivera très bientôt, puisqu'il sera lancé, il sera disponible la semaine prochaine. C'est le Marshmallow. Et y compris sur les Nexus 5, 6, 7 et 10. Voilà. Ça démarre à partir du Nexus 5, en fait. Très bien. Mais oui. Ça va donner un coup de boost à tous ceux qui ont acheté le Nexus 5. C'est un peu la promesse des Nexus, on vient juste vite fait là-dessus. Au-delà, des produits ne sont pas, on en parlera peut-être après, mais ne sont pas révolutionnaires, mais on a la garantie d'avoir la dernière version d'Android à tout moment, sur plusieurs années. Elle se met à jour avant les smartphones. Oui. La preuve. C'est-à-dire qu'on aura du marshmallow sur Samsung, chez Samsung, mais peut-être dans quelques mois. Ça me permet de rebondir sur... on a un observatoire des mises à jour Android sur 01net.com qui retrace marque par marque, modèle par modèle, où en est l'OS dans sa version et est-ce qu'il y a des versions... Est-ce que Marshmallow est prévu ou pas pour ce produit? Si vous vous posez la question, allez faire un tour sur 01net.com. Il y a de fortes chances qu'on évoque votre smartphone. Quand je pense que certains d'entre vous vont aller voir l'info à iTech ailleurs. Non, mais c'est n'importe quoi. On a des collègues qui travaillent très bien aussi. On s'entend bien avec tout le monde. C'était pour présenter. Donc, ce Marshmallow, qu'est-ce qu'il nous apporte de plus? Bon, il y a des nouvelles manières d'interagir. Le Google Now était encore amélioré. Si j'ai bien compris, les applications démarreront plus vite. Ah oui, il y a la fonction Now and Tap qui permet, lorsqu'on pose le doigt sur le bouton principal, d'avoir des informations contextuelles liées à certaines applications. Donc il se sert de Google Now. On est complètement dans le cœur de métier de Google, c'est-à-dire on accède à toutes les données que Google propose, pas que sur les Nexus d'ailleurs, et qu'on utilise vraiment au jour le jour. La commande vocale va être enrichie et elle sera ouverte de plus en plus aux applications tierces. Donc on pourra lancer une application non Google par la voix, ça je crois que c'est déjà possible, mais également interagir à l'intérieur de l'application si les développeurs font ce qu'il faut pour. Et tout ça arrive la semaine prochaine donc pour les Nexus récents. Autre nouveauté, alors là qui a fait son petit effet malgré tout, Google Music s'aligne sur l'offre d'Apple Music, c'est-à-dire que pour $15, enfin $14.99 exactement, 6 membres de la famille pourront bénéficier en fait du service Google Music sur le même compte. Ça c'est bien pratique. Ouais. Google ne fait que s'aligner sur Apple. Ben, on espère que ça deviendra la norme et que d'autres services de Spotify, streaming Deezer, s'aligneront. Et pourquoi pas Qobuz aussi. Google Photos, des petites nouveautés concernant la photo. Alors c'est assez pointu, Google Photos, il y aura un système d'album partagé, simplifié. Donc voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, on part en vacances à plusieurs amis, on fait des photos tous ensemble, ou bien vous voulez que votre maman reçoive en permanence toutes les photos de la famille, vous lui envoyez un lien, elle clique sur sa tablette et elle aura toutes les photos que vous mettrez au fur et à mesure. Et elle recevra une notification chaque fois que vous mettrez des nouvelles photos. Donc ça simplifie le partage de photos, ça s'appelle Shared Album. Il y aura également des choses pour indexer les photos plus facilement, on pourra retrouver en fonction des personnes qu'il y a sur l'image. Et puis aussi l'envoi de la photo sur la télé via un Chromecast de manière automatique sera proposé. On se demandait à quoi ça pouvait bien servir. Bon, c'est amusant, on prend des photos. En soirée, on les affiche, c'est fun. Alors justement, tu parlais de Chromecast. La grosse nouveauté aussi de cette soirée, c'est l'annonce de non pas un Chromecast, mais deux Chromecasts, un dédié à la télé, qui est simplement le refresh du précédent Chromecast qui a rencontré énormément de succès, qui serait compatible Full HD, qui aurait aussi une nouvelle puce Wi-Fi AC. Et qui serait beaucoup plus simple à installer parce que le câble HDMI est souple. Donc un peu plus contorsionniste. Pas du tout la même forme. Pas du tout la même forme. C'est plus la forme d'une clé USB comme on la connaissait. Plus d'applis, bien sûr, compatibles Chromecast. Alors ça marche depuis un iPhone, mais par exemple, on pourrait jouer à des jeux via Chromecast depuis un iPhone, en mirroring en quelque sorte. C'est assez intéressant. Et utiliser son iPhone ou son téléphone en tant que manette de jeu. Exactement. $35 pour le Chromecast, c'est la bonne nouvelle.
Un autre Chromecast, mais cette fois-ci audio, ça c'est la petite surprise, qui va transformer en fait n'importe quelle enceinte que vous avez à la cave en amplifié, enceinte amplifiée. Ouais. Voilà. Donc c'est bien, on branche sur aussi. L'entrée mini jack de l'enceinte et puis on peut streamer du contenu audio, aussi bien des fichiers sur le téléphone que tous les services de streaming. Hein. Ou YouTube autres, aussi. Ou YouTube, parce évidemment. Qu'on sait qu'aujourd'hui YouTube est une mine de musique. Ouais. Enfin, on n'aura pas l'image sur l'enceinte forcément, mais tu l'auras sur le smartphone. Je l'aurai sur le smartphone, ouais, ça peut être sympa. $35 également, disponible dans 17 pays. On n'a pas la date, mais on va creuser tout ça. Ça va cartonner ces petits produits. Ah oui, ces petits produits, je pense, ouais, c'est sûr. C'est génial si c'est dispo pour la Noël, ça fait des petits cadeaux sympas. Mais encore une fois, alors on n'a pas d'infos sur quelle est la liaison. C'est du Bluetooth, du Wi-Fi direct, du Wi-Fi dans la box. Du Wi-Fi. Pour l'audio ? Oui, pour l'audio, je pense que c'est du Wi-Fi. Donc ça passe par le réseau Wi-Fi de la maison. Alors la vraie question. C'est vraiment du multi-room en fait. Alors la vraie question étant, est-ce qu'on peut aussi connecter un Chromecast audio directement au smartphone sans passer par un réseau domestique ? C'est une vraie question. Oui, en Wi-Fi direct à ce moment-là. Oui, ouais. Si on n'a pas de on ne sait pas encore si c'est possible. Campagne, si c'est dans la voiture. Il y a encore quelques interrogations. Hein. Si c'était possible, ce serait bien. Ce serait pas mal. Voilà. Ce sera, à mon avis, ce sera pas une bonne nouvelle. Ce ne serait pas une bonne nouvelle pour les fabricants d'enceintes Bluetooth. Ah oui. Parce que du coup, on va recycler les vieilles enceintes. Ouais. Même si, à mon avis, des enceintes amplifiées, on n'en a pas tant que ça dans les. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un tout petit préampli de rien du tout, on en trouve pour pas cher. Ça fait beaucoup de trucs. Ça fait du bricolage. Met une petite paire d'enceintes dans la cuisine avec un préampli un peu bien planqué, c'est pas mal. Si on est prêt à refaire l'appairage tous les trois jours. Mais non, si c'est en Wi-Fi, pas besoin de l'appairage. Non, mais t'as pas quoi. Rien à faire. Là, il est contre. Je suis un peu fâché avec les réseaux. Non, mais je suis un peu le déçu des réseaux sans fil, moi. Et on termine par le Pixel C. Voilà, un autre produit, c'est une tablette, Christopher, la tablette Pixel C. Oui. Donc, qui est très proche dans son design de la Surface Pro ou même de l'iPad Pro. Le principe, une tablette de 10,2 pouces qu'on connecte à un clavier complet AZERTY. Donc ça se transforme en un vrai PC portable. Il n'est pas sous Chrome, c'est la petite surprise. Il n'est pas sous Chrome OS, mais il est bien sous Android M. Avec tous les outils de bureautique auxquels on a accès sur le Play Store. Donc 499 pour la version 32 gigas, 599 pour la version 64. Il y a du NVIDIA à l'intérieur, donc pour le jeu, ça risque d'être sympa. Tegra, ok. C'est comme la Nexus 6, qui avait déjà un processeur. Est-ce que c'est du USB-C ? Oui, USB-C. Aussi. USB-C pour le Pixel C. C'est vraiment. C'est le point de départ, on va dire, de l'USB-C chez Google. Hein. C'est impressionnant. Pas de montre. Pas de montre, pas d'Android Wear. Ils en ont parlé. Enfin, on n'attendait rien. Très rapidement. Pas de nouveauté Android Wear. Pas de nouveauté Android Wear. Bon, il est 19h27. Est-ce qu'on arrive à joindre nos amis qui sont à Londres ? Bruno Cormier est avec nous. Salut Bruno. Bonjour. Bruno Cormier est à Londres. Alors Bruno, écoute, on en a eu pour notre argent quand même ce soir, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors on en a pour notre argent, mais on pensait avoir les téléphones, en démonstration, et c'est pas du tout le cas en fait. Oh non, mais attends, mais qu'est-ce que c'est ce scandale ? Tu vas pas pouvoir nous faire une petite vidéo pour demain matin avec les téléphones ? Alors en fait, les téléphones sont entre les mains de responsables de chez Google à Londres. Alors il y en a quelques-uns, peut-être deux ou trois. Et il va falloir faire la queue devant chacun des responsables pour avoir une main sur les smartphones. Donc ils sont pas en démonstration libre. Il faut en fait les voir avec un responsable de Google. Bon, on te fait confiance, batailler. Ça devient pire que chez Apple. Voilà, donc ça va être assez difficile parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors on va faire la queue, on va essayer de faire des vidéos sur les smartphones. Mais tout de suite, voilà, c'est juste impossible d'avoir un smartphone entre les mains, ce qui est assez décevant à vrai dire. Alors il y a des stands de démonstration, mais uniquement pour Chromecast. Alors Chromecast Audio, les nouvelles applications de Chromecast pour la télé. Alors c'est les seuls stands en libre service, si j'ose dire, sont uniquement réservés à Chromecast. Donc voilà. Bon, qu'est-ce que tu en as pensé de toutes ces annonces, Bruno ? Alors c'est plutôt pas mal. Les deux smartphones sont un peu chers quand même, donc. Ils ont intérêt à avoir d'excellentes performances, notamment une très bonne autonomie. On est, il est mal barré en fait avec le Snapdragon déjà. mais bon,
Bref, on va pas donner les résultats avant de les avoir testés, mais bon, pour l'instant, les smartphones sont un peu chers. On espère que la finition fera qu'ils seront vraiment très premium. Mais bon, il va falloir faire beaucoup d'efforts pour essayer d'en toucher un aujourd'hui là. Bon, Bruno, il faut pas que tu perdes ta place dans la file d'attente, donc on va te laisser. Juste une question, Bruno, est-ce que tu as des infos sur le système de transmission des Chromecast? C'est du Wi-Fi, du Bluetooth, du Wi-Fi direct? C'est du Wi-Fi, via le réseau Wi-Fi domestique. Il faut que Chromecast soit branché sur le même Wi-Fi le smartphone. Et la question que je me posais effectivement pendant la conférence, c'est est-ce que ça fonctionne en Wi-Fi direct? Par exemple, si on veut utiliser Chromecast Audio dans sa voiture, est-ce que ça fonctionne en Wi-Fi direct? Je ne sais pas encore. Il va falloir qu'on essaye d'avoir l'information. Juste des petites... On savait déjà tout, hein, des deux Nexus 5X et 6P. Le seul truc, on avait quelques petites incertitudes. Le Nexus 5X aura bien une batterie de 2700 mAh. Ça, on ne savait pas. Et l'écran... du Nexus 5X, c'est bien LCD, et l'écran du Nexus 6P qui est WQHD, c'est bien de l'AMOLED, donc ce sont les dalles 5,7 pouces de Samsung. Ah, donc c'est plutôt bon signe. Très bon signe. Oui, c'est plutôt bon signe, oui. Les dalles sRGB en plus, hein. Pardon ? C'était une dalle sRGB, je crois, pour le 6P. Ah si, si c'est une dalle sRGB, c'est pas du Samsung. Bon, je pense que là, mesdames, messieurs, on soulève un lièvre étonnant. D'où vient la production de cette dalle ? Non, mais si ce sont des dalles Samsung, dalle. En fait, et qui sont bien sRGB, donc c'est les dalles 5,7 pouces de Samsung. Voilà. Ok, très bien. Eh bien, Bruno, on va te laisser donc attaquer la file d'attente. On va essayer de se précipiter sur les smartphones pour vous faire des vidéos dès demain. Voilà, bon, comme ça, demain matin, on pourra voir ces Nexus. On compte sur toi. Merci beaucoup, Bruno. Et on salue aussi Jean-David Huart qui est derrière, qui est juste devant toi et qui tient ce smartphone. Là, on fait une petite retransmission par Skype et ça marche bien. C'est très sympa, ta petite oreillette Bluetooth. On dirait un standardiste, là. C'est magnifique. Tu es superbe. Non. C'est ce qu'on a trouvé, le meilleur moyen qu'on a trouvé pour aujourd'hui. Ah, c'est super. Parfait. Non, mais tu es magnifique. C'est parfait. Là, c'est top. Allez, merci Bruno. Au revoir, bonne soirée à tous. Salut Bruno. Bon, bah écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette soirée. On va le voir demain. Soirée. Demain, il va revenir à la rédaction avec des bleus, un œil au Bernard. Voilà, j'ai vu deux images avec. Je me suis battu pour les toucher. Je les ai eus. Bon, ben voilà, on va terminer là ce live spécial Google avec pas mal d'annonces. Hein. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Je vous rappelle que toutes les vidéos au quotidien sont à retrouver sur 01nettv.com. C'est votre site, en tout cas l'URL qu'il faut noter en priorité pour retrouver toutes les vidéos qu'on poste en avant-première, avant YouTube même. Donc si vous êtes un féru de nouvelles techno, 01nettv.com et 01net.com bien sûr, ouais, pour toute l'actualité. Là tout de suite, dans les minutes qui viennent, le décryptage complet, parce que toute la rédaction est derrière en train de bosser à fond sur les annonces de ce soir. On a plein de papiers qui vont sortir. Voilà, un compte rendu. Les Nexus P comparés, les nouveaux Nexus comparés à la concurrence, etc. La concurrence, effectivement. Ouais, au Nexus de 88, etc. Merci Christopher. Merci à vous. Rédacteur en chef du Labo 01net. Bon Jérôme, eh bien voilà. On se retrouve bien sûr jeudi. Oui, jeudi pour 01net, jeudi soir. Merci à Florian Beaufreton qui était aux manettes et à Pierre Thiolin qui s'occupait du son. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Voilà, et bravo tous les deux pour leur talent, parce que c'est vrai que réaliser un live comme ça avec toutes ces images, tout l'aspect technique, le son, etc. C'est du boulot. C'est vraiment très très fort et ils sont au top. Merci à eux. 19h32, bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Et on se retrouvera donc demain avec une vidéo spéciale pour découvrir ces Nexus. Puis la semaine prochaine, il y a même du Microsoft, je crois. Hein. Et alors, il y a des annonces Microsoft. Il y a eu Apple, Google, Microsoft la semaine prochaine. Voilà, un événement Microsoft que vous suivrez sur 01net TV. On aura l'occasion d'en reparler. Bonne soirée à tous. Salut à tous.